sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Et puisque l'actualité ne s'arrête pas, eh bien nous aussi on ne se repose pas. Et c'est au nom de votre droit à l'information. Bonjour, merci de nous rejoindre au compte de cet autre numéro du supplément sur FIM Guinée, la radio du peuple. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission qui vous parvient du lundi au samedi de 8h à 11h, l'émission dans laquelle nous vous aidons, nous nous évertuons à faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée. Autrement dit, vous aider à comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité. À la une de ce numéro, notre pays, la Guinée, risque-t-il de tomber dans le giron russe de Poutine en emboîtant les pas des Maliens, des Burkinabés et des centres africains? Et même si cette possibilité n'est pas pour le moment dans l'agenda du CNRD, en tout cas officiellement, et du gouvernement de la transition, mais il faut dire que Conakry et Moscou veulent insuffler un nouvel élan à leur coopération, une initiative qui intervient à quelques semaines du sommet russe-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg, qui arrive donc à grands pas, et construction de centrales nucléaires, modernisation des équipements militaires, le projet d'infrastructure énergétique. C'est une coopération touchant des domaines stratégiques et qui se négocie en coulisses selon des informations rapportées et par nos confrères d'AfricaGuinée.com. En plus des mines où le géant de l'aluminium russal dispose et de gisements importants, le pays dirigé par Vladimir Poutine pourrait étendre son influence en Guinée. Et selon l'agence russe Sputnik, la Guinée étudie même les possibilités de la modernisation des anciens équipements militaires de fabrication soviétique et russe. La Guinée compte aussi attirer de grands groupes russes pour accomplir des projets énergétiques et d'infrastructures, selon l'agence russe. Et des discussions ont même lieu à ce propos avec le groupe russe Russo Hydro pour la construction de barrages et de centrales hydroélectriques. Des projets seraient même identifiés et dans les villes de Dabola et Massanta. Analyse et décryptage à suivre ce matin et dans le supplément avec nos chroniqueurs. Et puis c'est un long dossier qui vient de connaître son épilogue au tribunal de première instance de Kindia. Et si vous ne le savez pas, l'ex-recteur de l'université de Kindia, Dr Jacques Kakourma, a été condamné mardi, et donc ce mardi, à 12 ans d'emprisonnement, dont 18 mois plus tôt assorti de sursis. Et cet ancien recteur est poursuivi par un ancien étudiant de la dite institution pour usurpation des titres et faux et usage de faux sur le titre de doctorat. Il a fallu donc près de 5 ans pour voir ce dossier connaître sa fin. Et comment analyser cette situation? On en parle avec notre spécialiste maison des questions juridiques, Khalil et Camara. Et pour la première fois en Afrique de l'Ouest, si vous ne le savez pas, un gagnant rafle sur une combinaison de 17 équipes. Une cagnotte, tenez-vous bien, de plus de 4 milliards 938 millions de francs guinéens. Et coup de chance ou jeu de probabilité, l'agence locale, après vérification, veut honorer, l'agence locale bien sûr de One Exhibit, veut honorer ce digne fils de la Guinée en lui offrant une cérémonie digne de nom ce vendredi 14 juillet 2023 à l'hôtel Kaloum à partir de 15h. Mais comment ce compatriote guinéen a réussi à gagner cette cagnotte? Va-t-il réellement rentrer en possession de ce montant? Des questions que nous posons ce matin à M. Raphaël DM Keita. Il est le directeur marketing et communication de One Exhibit Guinée. Il est notre invité exceptionnel ce mercredi. Il nous rejoindra sur les coups de 10h dans la rubrique Le Hard Talk. C'est tout pour les têtes de chapitre de ce numéro du supplément. À tous et à toutes, excellente réception radiophonique. FIM FM. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète. FIM FM. Le supplément. Le supplément d'ensemble. Oh.
Prime FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Et vous me suivez un peu partout à travers le monde, de Marrakech, en passant par Luanda, et au Burkina Faso aussi, au pays des hommes intègres, partout à travers le monde via nos déclinaisons numériques, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook, et même notre site internet, le www.fm Guinée. Et vous nous suivez aussi à travers cette déclinaison numérique. Nous vous disons merci de votre fidélité. Et vous nous écoutez ici aussi à Conakry, dans les 5 communes de Conakry, à modulation de fréquence, et sur la 95.3 en bande FM. À Mamoun, dans la ville Carrefour, vous êtes également très très nombreux à nous suivre en direct sur la 95.0, Fraternité FM, et chez le journaliste Sidi Diallo. Et 98.7 à Siguiri, dans tout le Bourré aussi, vous nous captez ce matin. À Cancan, sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière et dans le Sankara, vous êtes aussi très très connectés. Et à Kindia, c'est Kanyazik, bien entendu, c'est Tigui Dankeba qui relaie cette émission. Merci encore une fois de nous rejoindre. Il faut le rappeler, puisque oui, le supplément, c'est aussi la possibilité qui vous est offerte de commenter l'actualité, de la tourner et même de la tourner dans tous les sens, la drainer jusqu'au port de 11h, eh bien, vous pouvez exprimer toutes vos opinions en toute liberté, en toute indépendance, mais dans la responsabilité et par rapport au sujet qui concentre l'actualité débattu dans notre émission avec nos invités. On se fera le devoir de les relayer avec, à la limite de nos possibilités, bien entendu, avec la permission de Ibrahim Sila. Et je le rappelle qu'aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne. Merci de vous installer confortablement et nous allons vous aider comme tous les jours, en tout cas décortiquer l'actualité avec des journalistes triés au volet venus de toutes les rédactions, et c'est à 360 degrés. Le vieux barbu, super barbu, le légionnaire barbu, Ibrahim Sorilin Konsouma, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à Koussi d'Antel Mélé, je suis l'un des grands auditeurs de cette émission, Dr Koussiba. Bonjour à toutes et à tous. Mamadou Abalde, bonjour. Oui, bonjour Ibrahim Khalil, bonjour à tous les auditeurs de la radio. Et Khalil Camara, notre spécialiste des questions juridiques, bonjour. Bonjour Khalil, mon cher Omo, bonjour à tous. La reine du pays Diaka, la sublime Diaraï Girassi, celle dont la beauté fascine et force l'admiration, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour à tous, bonjour particulier ce matin au ministre Charles White qui a instruit qui déclare la guerre contre les voleurs d'électricité. Tout à fait, que ce soit les voleurs, les auteurs, les co-auteurs et également les complices. Allez. Qui font des branchements clandestins sur le réseau d'EDG. Bien. Voilà, parce que vous savez, cet acte, selon EDG, lui fait perdre plus de 100 milliards de nos francs guinéens. Bien. Donc, il engage des poursuites contre des gens qui se prêtent à ces pratiques dans notre pays. Bien. Et c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. On en parle dans un instant. Le vol est réprimé par la loi. Avec plus de détails. On en parle dans un instant. Si vous le permettez. Non, non. Allez, les ciseaux, Tidion. Pour le moment, nous sommes à la phase des salutations, le vieux barbu. On attend d'abord, d'accord? On parlera de ça tout à l'heure. Allez, Massagui, on l'appelle comme ça au pays Thomas, Mfali Guilavogui, le tout-puissant déjà du groupe Évasion. Bonjour. Oui, Khalil, bonjour à l'ensemble des chroniqueurs, aux téléspectateurs, aux auditeurs et bonjour à la régie. Amadou Djoulde Diallo, le patron de la rédaction de City FM, le rédacteur en chef de cette maison de radio, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour renouvelé ce matin à Bourouval Sunki et ses 14 districts, c'est mon ami ici Radio Sunki Ndialo. Bonjour à Dalaba, Kankalabé, Sefouré et Fello Barko. Bonjour à tous. Allez, on entame cette émission avec vous Khalil Camara. Hier, finalement, l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana a été entendu par la CRIEF dans son lit de malade, hein. Oui, dans son lit des malades et sous perfusion même. Selon les informations relayées sous perfusion, il a été entendu, même si des médias parlent d'interrogatoire ou d'audition. Il faut faire comprendre qu'on a quitté ces phases-là, parce que c'est au niveau de la police judiciaire ou au niveau d'instruction. Maintenant, il s'agissait d'être entendu, comme on l'avait signalé dans ce studio. Alors le juge Joumanigui, qui est le président
du tribunal de la CRIEF, de la Cour de répression des infractions économiques et financières, s'est déplacé hier et a écouté l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qui se trouve sur son lit d'hôpital à la clinique Pasteur, ce qui a été relayé par les médias. Alors, après l'audition qui a pris durée de 3 heures, selon toujours les informations relayées par nos confrères, Kassori, l'avocat de Kassori s'est adressé aux médias. Alors, qu'est-ce qu'il rapporte? Il indique que son client a répondu au juge avec des gestes, donc il n'avait pas une voix audible. Il rappelle que son client a parlé avec un ton inaudible, ce qui est à dire. Maintenant, il rappelle aussi que c'était dans une situation très dégradée. Il a d'ailleurs parlé de son état de santé, qu'il a constaté que le rythme cardiaque du docteur Ibrahima Kassori Fofana est entre 80. Est-ce que vous avez besoin d'une tasse de café, Kali? Non, je n'ai pas besoin d'une tasse de café. Alors, parlez un peu plus fort. Hein. D'accord. Oui. Il rappelle que le rythme cardiaque, je parle toujours, je rapporte toujours les propos de l'avocat. De Kassori. De Kassori. Alors, est entre 89 et 95 par minute. Il rappelle donc que ce qui est assez grave, parce que selon lui, la limite normale est entre 60 et 75. Alors, en conclusion, il demande, ou alors son client lui-même demande une évacuation pour être soigné. Voilà ce qui s'est passé hier. On ne sait quand même pas quelle est désormais la décision du juge qui s'est rendu sur les lieux. Comme les juges, ils sont muets quand ils sont dans la procédure judiciaire, ils sont sourds et muets. Je ne dirais pas qu'ils sont sourds, mais ils sont quand même mieux dans la mesure où ils ne communiquent pas sur la procédure. Mais j'estime que une procédure d'une telle importance, il serait aussi judicieux, parce que c'est permis aussi dans la procédure pénale de communiquer lorsque des dossiers sont d'un enjeu très grand. J'estime que nous parlons de docteur Ibrahima Kassori Fofana et maintenant nous n'avons que les propos de son avocat. Et si on s'en tient à ses propos, on peut dire aujourd'hui que la justice n'avait pas besoin de docteur Kassori Fofana. Ce que Kassori a besoin pour le moment, c'est de partir se soigner. Maintenant, il faut aussi se demander, est-ce que le fait que l'accusé ou le prévenu se trouve dans un état de santé critique, est-ce que cela aussi justifierait qu'il soit évacué hors du pays? Alors, ou alors... il peut être aussi possible d'être soigné en Guinée, en République de Guinée, pourquoi pas. Bien. Donc, s'il se trouve que l'état de santé de Kassori, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le soigner en Guinée, il faut tout de suite l'évacuer avant que la situation ne soit encore plus grave que ça ne l'est. Alors Fali Guilavogui, qu'est-ce que tout cela renvoie comme message? Vous imaginez quand même, on va trouver Kassori Fofana dans son lit de malade et de surcroît sous perfusion quand même, pour l'interroger. Oui, ça renvoie comme message. C'est quand même un fait inédit, parce que moi, à mon avis, je pense que c'est une procédure unique. Hein, c'est la première fois d'entendre parler qu'il y a quelqu'un qui a été entendu dans son lit de malade alors qu'il était sous perfusion. Moi, je pense qu'on devrait vraiment éviter tout ça pour rendre crédible encore, si vous voulez, la procédure enclenchée. Et plutôt même rendre humain aussi. Voilà, rendre humain, mais les rendre actions de la justice. Je sais, dans ce studio, certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça n'engage... je vous laisse parler. Oui, mais moi, je pense que c'est... Je ne donne pas des opinions. Mais quand cela ne tienne, moi, je pense que pour notre justice doit avoir un visage humain. C'est vrai que son avocat a plusieurs fois demandé une demande de mise en liberté provisoire afin qu'il soit évacué. À plusieurs reprises, je pense que ça a été rejeté. Et ce qu'on ne comprend pas derrière l'entêtement de la CRIEF, on a comme l'impression que c'est un acharnement contre docteur Kassori Fofana, Amadou Damaro et autres. Sinon, moi je pense que même si c'est une liberté conditionnelle, ne serait-ce qu'on les mette quand même en résidence surveillée. Puisque quand même, de toutes les façons, ce sont des personnalités qui ne vont pas fuir pays éternellement. Ils ne vont pas fuir, mais moi je pense que l'image que cela reflète n'est vraiment pas une bonne image. Parce que derrière tout ça,
On a comme l'impression que c'est un acharnement judiciaire contre un homme politique, peut-être qui pourrait être à la tête d'une formation politique, ou encore c'est parce que Dr Kassori Fofana, on ne veut vraiment pas le voir libre. Sinon, moi je pense que la CRIEF n'existe pas seulement qu'en Guinée, ça existe un peu partout. Mais dans le cas guinéen, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est des gens qui ont été jetés en prison. Maintenant, on se met à rechercher les preuves. Alors qu'à la matière, on devrait d'abord chercher des preuves irréfutables, avant de les mettre en prison. Oui, mais quand on est accusé, quand on est accusé d'enrichissement illicite, à moins que je ne me trompe, il revient à l'accusé de prouver en fait qu'il n'en est rien. Oui, mais je pense que pas l'accusateur. Il a quand même dit. Pas forcément, Khalil, aidez-nous. Qu'en est-il, Khalil? C'est le dossier. Oui, mais c'est évident. Non, ça veut dire. Attendez, Khalil. Quand on vous accuse de vous être enrichi de façon illicite, c'est vrai. Est-ce qu'il est de la responsabilité de la justice de le prouver ou pas? Non, il s'agit d'une affaire de 15 milliards de francs guinéens. Oui. Il faut pas vraiment faire le mélange. Khalil, il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Oui, non, on éclaire l'intérêt des auditeurs. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation qui ont été abandonnés. Maintenant, Kassori n'est poursuivi que pour 15 milliards de francs guinéens au compte de la Mambri. C'est ça la réalité. Bien. Alors, mais ce qu'il accuse. Donc, il s'agit maintenant d'un cas de détournement de deniers publics. De 15 milliards, l'argent qui n'a jamais disparu. C'est bien. Ça. Mais sans preuve. Alors, voilà. Khalil, rapidement. Oui, vous allez continuer, mais cette précision de Khalil. Voilà, je voudrais. C'est quand même notre spécialiste des questions juridiques. Je voudrais simplement dire. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, il faut rappeler qu'il y a des charges qui ont été articulées après tout ce qui s'est passé en phase d'instruction. Maintenant, en ce qui concerne la preuve, c'est vrai, le principe est que la charge de la preuve incombe au ministère public. Ce qui veut dire que c'est le ministère public qui rapporte les preuves contre les prévenus ou les accusés pour les infractions qui leur sont reprochées ou les faits qui leur sont reprochés. Mais il y a aussi des infractions où réellement il appartient à l'accusé ou au prévenu d'apporter la preuve pour se dédouaner ou alors pour se disculper. Allez. Donc ce sont ces infractions par exemple qui concernent l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux et autres. Mais la question de Kassori est assez complexe dans la mesure où nous-mêmes nous ne savons pas aujourd'hui quelles sont réellement les charges qui sont retenues contre lui. Bien. Ligne qu'on a merci dit, on beaucoup, parle de détournement des deniers publics. Merci bien. Mais si c'est le cas, je pense qu'il appartient au procureur d'apporter les preuves. Merci Khalil. Oui, procureur, on parle voilà, procureur, je crois que c'est une procédure aujourd'hui qui, aux yeux de l'opinion, qui est en train de perdre la crédibilité. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même, on doit respecter les droits élémentaires. Des détenus, ils ont quand même droit à la sécurité, ils ont droit à la santé, mais en la matière, je crois que tous ces droits-là aujourd'hui sont bypassés par la justice. Et ce qui donne une mauvaise image à la CRIEF. Diarra Guirassy, est-ce que aussi c'est votre opinion? Je vais peut-être surprendre ce matin, mais je l'ai c'est toujours dit. C'est comme ça qu'on vous aime. Hein? Oui, je l'ai toujours dit. Toujours. La CRIEF est un bon instrument en soi, mais après, le mode opératoire laisse à désirer, puisque c'est quand même très inhumain, entre guillemets, d'aller interroger quelqu'un qui est sur son lit de malade, sous perfusion. Sous perfusion. On rappelle que c'est une procédure légale. Allez-y, Diaraï. Je sais que c'est légal, hein. Mais après, qu'est-ce que vous comptez tirer de quelqu'un qui est sur son lit de malade, en train de suffoquer, parce que justement, il n'a même pas la possibilité de respirer. Je pense que ça donne pas une bonne image. Il faut le laisser quand même se rétablir. C'est ça la logique en fait. La logique voudrait qu'on lui laisse reprendre sa force, toute sa force pour pouvoir parler. Mais après vous partez interroger quelqu'un avec une voix inaudible qui vous répond avec des gestes et après ça ne vous tique pas tout de suite. Écoutez, je fais partie de ceux qui pensent que de l'argent, beaucoup d'argent ont été dérobés, se sont volatilisés et qu'on ne sait pas comment les rattraper. Je suis d'accord que dans ce pays, il y a eu des sorties d'argent injustifiées. Mais écoutez, la CRIEF
de la manière où les choses se dessinent, je pense que la CRIEF aujourd'hui est dans l'incapacité de prouver justement que... La culpabilité de ces anciens dignitaires. Parce que vous avez vu le procès de Oye Gilavogui, l'ancien ministre de l'Environnement. Vous avez vu dans cette histoire de Sotelgui et puis voilà, Huawei et tout ça là, les gens sont venus témoigner pour dire que l'argent n'a jamais été à la disposition de Oye Gilavogui. Après, je suis tenté de dire que par rapport aux autres anciens dignitaires, ce procès de Oye Gilavogui va être un procès type pour les autres. De grâce, cherchez les bonnes affaires, cherchez la bonne approche pour justement trouver les bonnes affaires sur lesquelles il faut coincer des gens pour trouver l'argent qui s'est volatilisé. Mais de la façon les choses se passent maintenant, en tout cas, ça donne la peine. Ça donne de la peine, selon Diarra Guirassy. Alors, Mamadou Abalde, entre la justice et l'humanisme, est-ce qu'il faut dire que la CRIEF a déjà choisi son camp? Oui. Bon, visiblement... Dans cette affaire, il faut le dire, hein, je pense que c'est devenu flagrant pour tous les Guinéens et tous ceux qui observent la manière dont cette cour fonctionne. Je l'avais dit ici que la CRIEF, qui est une cour spéciale, elle est vraiment spéciale dans sa façon de fonctionner parce que on a vu, depuis que tout ça a commencé, ces dossiers, les va-et-vient, mais cette difficulté d'exhiber des preuves, mais si aujourd'hui des accusés sont dans cet état-là et qui sont complètement abattus physiquement, qui n'ont pas l'énergie nécessaire, les calories nécessaires même pour répondre à des questions, on nous parle de l'ancien Premier ministre qui s'exprime par une communication non verbale, par des gestes, je crois que quand même ça devait attirer l'attention des gens. Mais tout cela, nous observons, nous voyons, on a dit suffisamment ici, il faudrait qu'on nous évite les erreurs du passé, mais je crois que on va pas quand même aller jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Je pense que on évitera ça, mais sur un autre plan, je pense que aujourd'hui tout cela peut concourir à attester la thèse de l'acharnement politique, parce que aussi il faut pas se perdre de vue que ces acteurs là sont des acteurs politiques, ils tiennent des partis politiques, ils sont dans le jeu politique. Mais si on n'arrive pas à organiser des procès, en tout cas pour établir leur culture ou leur innocence, je pense qu'il faudrait tout simplement les relaxer et les permettre de continuer leurs activités. D'abord, je pense qu'un certain Kassouri qui sortirait en ce moment de prison, d'abord, sa priorité c'est de se soigner, parce que c'est visible, il est abattu, il n'a pas tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer dans le champ politique. Donc il faut les laisser, il y a des échéances électorales qui sont en perspective, qui viennent, donc il faut, tout ça demande la préparation et ça demande des leaders. Et si ces leaders-là aujourd'hui sont au niveau de la maison centrale, je pense que l'idéal aurait été qu'on organise leur procès. On ne demande pas une justice expéditive, qu'on aille rapidement, non, mais qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Bien. Amadou Djoulé Diallo. Oui, je commence par dire que Kassori, Damaro et tous ceux qui sont aujourd'hui détenus sont justifiables. Ils doivent justifier leur gestion. Justiciables. Je commence, je dis également que la mise en place de la CRIEF a été une bonne chose et que le travail qu'elle est en train de mener aujourd'hui dans le cadre de la moralisation de la chose publique est une bonne chose. Mais après, pour le cas de Kassori Fofana, personnellement, je commence à me poser des questions, notamment sur la démarche de cette CRIEF-là. Il faut d'abord rappeler que Kassori n'a pas été le premier à être auditionné dans ces conditions-là. Peut-être Amadou Damaro Camara aussi a été auditionné à peu près dans les mêmes conditions, mais sauf qu'à la différence que pour lui, c'était à la maison centrale de Conakry. Maintenant, on parle souvent dans la presse du visage humain de la justice. Je pense que c'est très important parce que moi, j'ai été personnellement très profondément touché quand j'ai vu l'état dans lequel j'ai vu Kassori ces derniers temps. Je pense que la première des choses à faire, un détenu, quel que soit ce dont il est reproché, il peut être beaucoup plus utile à la justice que lorsqu'il est en bon état. Et aujourd'hui, depuis très bon moment,
On a vu les avocats de Kassori demander une évacuation ou en tout cas qu'il ait la possibilité de se soigner, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense qu'au niveau de la CRIEF, on doit donner la priorité à cela. Parce que la santé, un détenu a aussi le droit à la santé. Ça, c'est connu de tous. Mais après, moi, je ne comprends pas cette détermination de vouloir coûte que coûte entendre les gens, même quand ils sont dans un état critique, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, Kassori est dans un état critique. Alors, j'aurais souhaité que si des demandes, parce qu'on a dit que, on a eu l'impression dans un premier temps que le dossier Kassori allait connaître une évolution à partir du moment où Lincoln l'a rappelé tout à l'heure, que certaines charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, le monsieur, il n'est poursuivi que sur la base des informations liées à la Mamri. Je pense que la justice, la CRIEF, doit accorder aux détenus, particulièrement à Kassori Fofana, le temps pour qu'il puisse partir, aussi c'est en Guinée ou si c'est ailleurs, parce qu'après... Oui, mais est-ce que la crainte de la CRIEF, ce n'est pas de voir ces anciens dignitaires-là finalement refuser de retourner au pays une fois libérés? Je ne pense pas, Khalil, personnellement, qu'ils peuvent... par exemple, on a vu... Par exemple, il y a l'ancien président Alpha Condé, ben voilà, on sait, il y a aussi des charges qui pèsent sur sa tête, sur ses épaules. Non, mais ça peut être différent. Ça peut être différent, Khalil. Alpha Condé, justement, c'est Alpha Condé... S'il vous plaît, Lenko, vous aurez votre temps de parole. Mais il y a des choses qui pèsent aussi sur l'ancien président guinéen. Khalil, c'est différent. Permettez-moi. Attendez. S'il vous plaît. Allez. Vous plaît. D'accord. Il n'est pas poursuivi. Bien sûr. Voilà. Bien. Il n'est pas poursuivi. Non, pas du tout. C'est l'information principale. Attendez. Khalil Camara, vous allez rétablir les faits. Allez-y. D'accord. Je voudrais dire que même si Alpha est poursuivi, mais son cas peut être différent. Il n'y a pas qu'Alpha aussi en dehors du pays. Il y a aussi des Bantamassos, par exemple. D'accord, mais les cas de ceux qui sont à l'extérieur, qui sont partis dans n'importe quelles conditions, peuvent être différents des cas de ceux qui sont là et qui ont été, dans un premier temps, mis en prison, notamment Kassori Fofana. Donc, je ne pense pas personnellement que si aujourd'hui la CRIEF, la justice guinéenne, décide de libérer Kassori pour qu'il aille à l'étranger se faire soigner et qu'il va refuser de revenir. Qu'il va fuir. Personnellement, moi, ma démarche, mon souhait est que ce soit Kassori ou quelqu'un d'autre, si un détenu tombe malade en prison et qu'il a besoin, qu'il manifeste la volonté de partir se soigner, qu'on le laisse partir et puis qu'on crée les conditions pour qu'il revienne et faire face à la justice. Alors, le vieux barbu, est-ce que finalement, ça ne donne pas l'impression aujourd'hui que quelque part, on craint Kassori Fofana, on craint certains anciens dignitaires du RPG et de vouloir, en tout cas, de pouvoir revenir même, bien entendu, sur la scène politique, de pouvoir même, si on peut appeler ça ainsi, créer des problèmes au nouveau maître du pays, donner une espèce de yaré au nouveau maître du pays. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là réside le problème? Est-ce qu'on ne veut pas plus loin détruire même le capital politique de l'homme? Je parle de Kassori. Oui, mais ceux qui sont là, en principe, sont là pour la transition. S'il y a un tel acharnement, moi je pense qu'il y a un autre projet derrière. Ce qui se passe dans le cas de Kassori et compagnie, c'est inédit. On n'est plus face à la justice, mais on est en train de punir des personnes. Khalil, tout à l'heure, on rappelait, Kassori a été abandonné, poursuivi pour des charges qui ont été abandonnées d'elles-mêmes. On l'a attribué à toutes les banques du pays. On l'a attribué toutes les maisons de ce pays. On l'a attribué même Plaza Diamond, toutes les cités de ce pays. Des banques aux États-Unis. Mais sans preuve, finalement, ces accusations se sont effondrées d'elles-mêmes. Mais pour l'heure, le monsieur n'est poursuivi pour 15 milliards de francs guinéens. C'est quelqu'un qui a servi ce pays pendant plus de 30 ans, 15 milliards. Sans preuve, au niveau de la Mamri, l'argent qui n'est jamais décaissé. C'est un acharnement, Khalil. Il faut rétablir les faits. Alors, ce monsieur n'est même pas sous perfusion. Kassori est en réanimation. Je dis réanimation. Depuis plus de 2 mois, on le sait, ses avocats ont formulé la demande qu'il aille se soigner. Il y a plus de 2 ou 3 mois. Les médecins ont fait pareil. Mais on traîne, en tout cas, les pas dans cette procédure. Rappelez-vous les différents renvois au niveau de la Cour suprême. Plus de 15 renvois par rapport à son cas. Maintenant, il est à la clinique
son médecin chaque fois pour le rencontrer, mais c'est inédit. Mais Khalil, ce qui s'est passé hier est aussi inédit. J'ai envie de vous poser cette question. Oui. À qui profite le maintien dans les liens de la culpabilité et de Kassori Fofana? Mais pour le moment, Khalil... À qui profite la situation? Pour le moment, qui dirige le pays, c'est le CNRD. Parce qu'en principe, le président, il est à la fois le garant et des lois et des institutions. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Khalil, rappelez-vous que le cas de Kassori et son rythme cardiaque, le rythme normal est de 60 à 75, Khalil l'a rappelé. Mais hier, son rythme est allé de 89 à 95 par minute. C'est-à-dire qu'il est en train de frôler la mort. 89 à 95 par minute, c'est ce qu'a indiqué le monitoring. Mais c'est qu'il est aux portes de l'au-delà. Et tout le monde le sait. Moi, j'ai même appris que hier, le président Kovaz Manigui et sa suite ont dû quitter l'hôpital. Parce que j'apprends que le rythme est allé jusqu'à 106. Et le médecin a dit clairement qu'il allait mettre fin, en tout cas, à la présence de tout le monde. Mais ce monsieur, c'est un mort vivant. Mais Khalil, ce que j'ai vécu hier soir, je vais encore le rappeler, en tant que journaliste et citoyen. Depuis le matin, Diarra Gilassi est témoin. Kassori a été donné pour mort sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ont appris que 95, le rythme cardiaque, mais c'est déjà la mort. Donc sur les réseaux sociaux, les gens ont annoncé la mort. Moi, jusque la nuit, un autre monsieur, un grand leader politique de ce pays, m'a appelé comme quoi on annonçait la mort de Kassori. Mais Khalil, de 21h jusqu'au matin, il y a eu quand même des choses hier. Politiquement, des rencontres au sein du RPG, d'autres formations sur le cas Kassori, mais aussi... Et communautairement, beaucoup d'appels, parce que je veux informer les autorités. Absolument. Communautairement, beaucoup d'appels par rapport au cas de Kassori qui était donné pour mort. Donc, une grande tension. Mais je rappelle, Khalil, que je suis content pour M. Michel Kamano, qui n'était pas malade, mais qui a bénéficié quand même de l'évacuation sanitaire. Deux autres personnes, pendant qu'ils ne sont pas alités. Mais pourquoi on fait subir de telles humiliations à Kassori? Pourquoi on veut le tuer? Est-ce qu'on veut éliminer peut-être un potentiel candidat? C'est aussi la question. La CRIEF a cessé d'être quand même cette CRIEF qu'on passait. Un instrument au service mais de l'État, de la justice. Mais jusqu'à ce qu'on aille interroger quelqu'un qui est à la porte de la mort, ne pas comprendre cela. Mais qui parmi ceux-là peut supporter un tel rythme? Des ministres sont tombés malades dans ce pays. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le karma aussi. Hein. Non. Ils sont en train de faire subir ça à Kassori. Peut-être demain, on ne sait pas, ça va être le tour de qui. Hein. Mais c'est cela. Oui. Hier, on défendait, on critiquait la gestion des Kassori et Alpha Condé. Aujourd'hui, on les défend. C'est un principe qu'on défend. Bien. Demain, un dignitaire de ce régime peut se retrouver dans cette situation. Je ne souhaite pas. En tout cas, on défendra. En tout cas, mais ce monsieur, ce monsieur qui est là. Certes, Kassori est justiciable, il n'est pas au-dessus de la loi, mais il ne mérite pas ce qui se passe là. Mais c'est Kassori. Pas du tout. C'est Kassori. C'est une véritable humiliation qu'on l'inflige. C'est un père de famille. Oui. Je ne souhaite pas. Oui. Mais si Kassori, dans cette situation, bien, le malheur arrive, le seul responsable sera connu et est déjà connu. Bien. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'arriver à ce point, traiter quelqu'un qui a au moins servi ce pays, quoi qu'il en soit. Bien. Et le principe à la CRIEF, c'est d'abord la santé. C'est ce qu'on a dit pour M. Michel Kamano. Bien. Que la santé, c'est la Merci. Priorité. Mais ce monsieur est au bord de la mort. On Merci. Refuse Bien. Qu'il se soigne. Allez. Et aujourd'hui, le paramètre indique, pour son rythme cardiaque, jusqu'à 95, ça a même dépassé 100. Bien, monsieur, c'était miraculeux, sinon c'est déjà un mort à nos mains. Allez, et je le rappelle encore une fois que ces films guinéens que vous écoutez, nous émettons depuis qu'on a créé la capitale de la République de Guinée, et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays de Alpha Yaya Diallo et de Samori Touré. Quand ils ont quitté l'espace pour se poser sur leur propre planète, on leur avait prédit l'apocalypse. C'était une erreur, c'était mal les connaître, on dirait même méjuger leur talent, leur hargne à s'arracher de la routine et que dire de leur capacité à lancer et réussir de nouveaux challenges. Les ailes déployées, les warriors de FIM FM sont prêts au combat et décidés à repousser les limites. FIM FM, au-delà de l'imaginaire. FIM FM, forcément, comptez avec nous. FIM FM. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo.
On a aussi quelques heures et même quelques jours à passer ensemble au compte de cette émission, Le Supplément, notre émission de l'intersaison sur Film Guinée, la radio du peuple à venir. Et notre pays, la Guinée, risque-t-il de tomber dans le giron russe de Poutine en emboîtant les pas des Maliens, des Burkinabés et même des Centrafricains? En tout cas, même si cette possibilité n'est pas pour le moment, il faut le dire, hein, dans l'agenda du CNRD, eh bien, et du gouvernement de la transition, mais il faut le rappeler que Conakry et Moscou, et si vous ne le savez pas, veulent insuffler un nouvel élan à leur coopération. Ce n'est pas une première fois en Guinée, hein, mais l'initiative intervient à quelques semaines du sommet Russe-Afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg qui arrive donc à grands pas. On en parle dans la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Puis aussi, on parlera de cette affaire de faux diplôme. Oui, avec cette grosse interrogation, comment y mettre fin, puisque hier, du côté de Kindia, on l'a appris que l'ex-recteur de l'université de cette région, Dr Jacques Kourouma, a été condamné à 12 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis de sursis. Et cet ancien recteur est poursuivi par un ancien étudiant de la dite institution pour usurpation de titre faux et usage de faux sur le titre donc de doctorat. On en parle dans la deuxième partie également avec nos chroniqueurs. Et l'autre information du jour, c'est qu'un Guinéen, un compatriote, a raflé une cagnotte, tenez-vous bien, de plus de 4 milliards de francs guinéens avec la société de loterie One Exhibit Guinée. On en parle bien entendu avec son directeur marketing et communication. Et il nous rejoindra dans la rubrique Le Hard Talk. Il est notre invité exceptionnel d'ailleurs ce matin dans cette émission Le Supplément. Allez, Mfali Guilavogui, on l'a appris hier, tard dans la soirée, que le gouvernement guinéen a annoncé des mesures fortes. Oui, après la tragédie à Matoto. Hein. Oui, après la tragédie, dans un communiqué publié par le gouvernement, il a d'abord présenté les condoléances aux familles des victimes avant d'annoncer des mesures fortes. Et ces mesures sont, entre autres, il y a une enquête qui est enclenchée afin de faire la lumière sur cette affaire. Quand même, ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois en République de Guinée. On assiste à une sorte d'anarchie du point de vue construction. Quelquefois, les chantiers sont laissés pour compte. Donc, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes, non seulement de faire des inspections, mais aussi de situer la responsabilité. Alors, à part cela, il y a d'autres mesures que le gouvernement annonce, c'est-à-dire c'est de prendre des mesures urgentes. Parce que vous savez, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, le monde de construction est devenu un monde anarchique. Donc, il faut faire un toilettage. C'est-à-dire tout en respectant le code en la matière. Parce que c'est un secret de polichinelle. Quelquefois, vous assistez à des faits inédits dans le milieu. Par exemple, ce qui s'est passé du côté de Matoto, c'est que les ouvriers étaient en train de travailler lorsqu'il y a eu effondrement. Donc il a fallu 2 jours de recherche et c'est sous des décombres que ces 5 corps ont été tirés. Donc le gouvernement décide de prendre des mesures fortes pour assurer désormais la sécurité, faire des inspections, mais aussi toiletter le domaine parce qu'il y a des chantiers qui sont laissés pour compte, ce qui, à mon avis, pourrait être une bonne mesure. Mais moi, je crois que le gouvernement est venu un peu en sapeur-pompier parce que si vous vous rappelez très bien, au temps de M. Alpha Condé, il y a eu des cas d'effondrement à plusieurs reprises, mais c'est parce que des mesures en amont n'avaient pas été prises par le gouvernement. Envisagées par le gouvernement. Oui, oui. Donc aujourd'hui, moi je pense que au-delà de la sécurité, au-delà de l'inspection ou de la collecte, si vous voulez, des chantiers et des travaux de surveillance qui vont être enclenchés, moi je crois que c'est un domaine qui a besoin vraiment d'être toiletté. Bien. D'être Allez. Complètement toiletté. Merci beaucoup. Et désormais, qu'on ne confie pas. Vous savez, les gens font des chantiers sans pour autant faire des études. Au préalable, oui. Voilà. Merci beaucoup. Ce qui n'est pas fait en République de Guinée. Bien. Donc, moi, je souhaite que le gouvernement essaye quand même
d'être très regardant. Merci sur le domaine pour Gila, éviter des cas de drame. Merci toujours. Beaucoup. Allez, sauf que ça ne change pas. Amadou Diallo Diallo, l'hémorragie ne s'arrête pas. Et pratiquement chacune, et disons, et à la fin de chaque année, on apprend ça, hein, qu'il y a un immeuble qui s'est effondré. On se souvient, il y a 6 mois, c'est quelque part ici à Conakry. Je ne sais pas exactement c'était dans quel quartier, mais c'est que je sais. Et je crois, avant la fin du régime, avant le départ d'Alpha Condé du pouvoir, du côté de Koranti, il y a un immeuble qui s'était effondré là-bas. Et il y avait eu beaucoup de morts à l'époque. Et finalement, est-ce qu'il ne revient pas aux citoyens de prendre conscience, oui, et de prendre leur responsabilité pour dire, avant de construire, eh bien, je dois m'assurer que toutes les mesures sécuritaires sont réunies, hein, toutes les conditions sécuritaires sont remplies. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec une telle démarche. Pour moi, d'ailleurs, la responsabilité, et peut-être c'est à des degrés différents, mais la responsabilité peut être partagée à ce niveau. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut d'abord, c'est vrai, le gouvernement dit dans le communiqué que, aussitôt informé, il y a eu des mesures urgentes, dispositions urgentes qui ont été prises, même si le communiqué n'a pas été précis, parce que le drame a eu lieu avant-hier dans la soirée et que c'est hier tard aussi dans la soirée qu'on a eu vent de ce communiqué-là. Je voudrais dire que dans le même communiqué, il y a un passage que moi personnellement je n'ai pas compris parce que devant moi, le communiqué du gouvernement. Justement, il dit que le drame s'est produit sur le chantier d'un promoteur privé, les constructions de logements sociaux de l'État à proximité de ce site. Certifiés par le Bureau de contrôle international ne sont pas concernés par l'accident. Pourtant, on a abordé le sujet hier même avec Souri Kandia qui était sur le terrain. Ça a été dit que c'est les logements sociaux en construction de ce côté, les bâtiments qui ont été touchés. Et je pense que puisque le gouvernement annonce des enquêtes, il faut aller plus loin pour un peu situer les responsabilités. Maintenant, les mesures annoncées, moi je voudrais rajouter, parmi ces mesures annoncées par le gouvernement, j'aurais souhaité que désormais, que le gouvernement aille plus loin pour dire que désormais, quand quelqu'un, un citoyen ou un particulier ou une entité veut construire quelque part, qu'il commence d'abord par faire l'étude du terrain C'est ce qui se doit. Non, c'est ce que j'ai dit. Parce que dans les mesures annoncées, le gouvernement n'a pas mentionné ça. Et il faut dire mais que. Mais ce que vous oubliez, le gouvernement ne peut pas passer tout son temps à prendre le fouet derrière les gens, Amadou Diallo Diallo. Vous ne pouvez pas quand même prendre votre argent et investir sur un terrain, construire. Dans ce domaine, il y a des choses en tant que citoyen, on doit comprendre qu'elles peuvent être dangereuses pour nous-mêmes, pour nos vies. Elles doivent représenter un danger pour nos vies. C'est de ça qu'il s'agit, Amadou Diallo Diallo. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que les responsabilités sont partagées. Et le gouvernement ne peut pas être derrière chaque citoyen, mais le gouvernement peut être plus rigoureux parce que dans le communiqué qui est fait, et c'est le ministre de l'Habitat qui est interpellé. Je pense qu'il est de son rôle de faire ce travail de manière générale que nous sommes en train de faire allusion. Allez, on va céder la place au premier passage de l'écran publicitaire au compte de ce numéro du supplément. En attendant, continuer de réagir aux différents sujets donc prévus au menu de cette émission. On va se faire le devoir de prendre en compte toutes vos réactions dans la deuxième partie de l'émission. En attendant, on marquera une pause et voilà, pour s'acquitter de nos obligations commerciales. Derrière, ce sont les infos que vous allez avoir et sur FIM Guinée, la radio du peuple. À tout à l'heure. FIM FM. Excusez-moi. Le guet, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre.
Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formalités avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres. Salam pom. No kasahara ko salam mango. Angkadi, salam punye nong. Hey, fi hondung hina salam jilado. Eme, joni nong ko hondung kurang yong. Hei, kono min, kalau ko hondung salam, kuno wala la mech. Salam, Julie gefi, kalau ko yidu dongkong. Salam, souriez à la vie. Ma copine, j'aimerais bien que tu m'indiques ton dentiste. J'ai remarqué que tu n'as ni caries ni maux de dents. En plus, tes dents sont éclatantes et tu as une bonne haleine. Non, mais c'est très simple. J'utilise le dentifrice Hersan Triple Action. Et c'est cette pâte qui t'offre ce beau sourire. Mais oui, ma copine, j'en avais assez de pourrir mes dents avec toutes ces pâtes de mauvaise qualité. Désormais, avec les pâtes dentifrice Hersan Triple Action, Pro Complète, Aban Triple Action, c'est une simple action avec le plaisir de parler en public. Les pâtes dentifrice Hersan sont en vente partout en Guinée. Hersan, le vrai dentifrice qu'il vous faut. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement, vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite gire re la dia. Ora ile salam le mun dalé dumay ngé. Salam pom do. Ile fana. Salam ma ko ronta do. Né ken salam ke bibita di do. Hé, mun dé ronta nya basa no ta do. Hé, ile koné. Koné ma ko na boto pa. Iye mo ko boto. Hé, abé, juste salam bé dumanyé. Salam, girite gine na ma dia sibé do la déné menna. Salam, souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Elles seront dédiées aux bacheliers les plus méritants sortant de tous les lycées de la République de Guinée. Implantées à Dalaba dans un cadre propice à l'exploration et la transmission du savoir, les CPGE constituent un tremplin vers des établissements partenaires prestigieux dans le monde entier, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France. Elle concourt à la formation d'une élite d'ingénieurs aptes à prendre part à l'édification d'une Guinée rayonnante dans le concert des nations. La création des CPGE est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour plus d'informations, consultez le www.mesrs.gov.gn. We'll be right back.
excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des Transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formations avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des Transports terrestres. Wello wello aduna tingi tingi kino yiri salam lemune salam pom. No kasahara ko salam mango ankadi salam funye non hey fiho nungina salam jillado emi joni non ko hondu guranyo hey ko no min kala ko woni zi salam no wala la tech salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Bonjour et bienvenue à tous. L'avocat Damadou Damaro Camara ne trouve pas d'objection à ce que son client soit entendu sur son lit de malade le 18 juillet prochain. Par contre, Maître Santiba Kouyaté a, dans un courrier adressé à la chambre de jugement de la CRIEF, demandé au magistrat la mise en œuvre de l'article 484 du Code de procédure pénale qui donne la possibilité de désigner un magistrat, un greffier à l'effet de venir entendre l'ancien président de l'Assemblée nationale à l'hôpital. Contrairement à la lettre et à l'esprit de cet article, la Cour a ordonné qu'elle se déplace dans son entièreté et venir l'entendre sous les projecteurs, ce qui est tout à fait contraire à l'article 484 du Code de procédure pénale, mentionne le Conseil de l'ancien dignitaire. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme ordonne des poursuites judiciaires pour des faits de vol d'électricité et de fraude sur toute l'étendue du territoire national par l'ouverture des enquêtes autour des ménages, administrations publiques, privées, mixtes, assujettis au paiement d'énergie électrique et de dresser rapport dans un délai raisonnable. Cette décision du ministre Charles Wright, rendue publique ce mardi, fait suite à la requête du directeur général de la Société d'électricité de Guinée. Ce dernier a sollicité récemment un appui institutionnel auprès du ministre de la Justice pour la répression efficace des cas de vol d'électricité et fraude sur le réseau électrique de la Société d'électricité de Guinée, SA. La capitale du Botswana, Gaborone, accueille jusqu'à ce vendredi le 15e US Africa Business Summit, un sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique. Le programme échange entre représentants politiques, institutions financières et entreprises pour tenter de renforcer les échanges commerciaux entre Washington et le continent, comme Seattle depuis le début de son mandat, le président Joe Biden. En interactualité, l'émissaire américain pour le climat John Kerry se déplacera à Pékin de dimanche à mercredi, a annoncé ce mardi le département d'État américain. Cela marque le troisième déplacement en quelques semaines d'un haut responsable américain en Chine. Lors des rencontres avec des responsables chinois, le secrétaire Kerry voudra engager le dialogue avec la Chine sur la question de la lutte contre la crise climatique, indique le département d'État dans un communiqué.
expliqué. C'était là l'essentiel de l'actualité. À tous, merci de l'avoir suivi. Le supplément se poursuit. FIMFM. Excusez-moi. T'inquiète, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formalités avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres. Welo welo aduna tingi tingi kino yiri salam lemone salam pom. No kasahara ko salam mango. Angkadi salam punye nong. Hey, fi hodun hina salam jillado. Emi, joni nong ko hodun uranyo. Hei kono, min kala ko unizi salam. Kuno wala la tech. Salam, Julie gefi kala ko yidu dongkong. Salam, souriez à la vie. Ma copine, j'aimerais bien que tu m'indiques ton dentiste. J'ai remarqué que tu n'as ni caries ni maux de dents. En plus, tes dents sont éclatantes et tu as une bonne haleine. Non, mais c'est très simple. J'utilise le dentifrice Airsun Triple Action. Et c'est cette pâte qui t'offre ce beau sourire. Mais oui, ma copine, j'en avais assez de pourrir mes dents avec toutes ces pâtes de mauvaise qualité. Désormais, avec les pâtes dentifrice Airsun Triple Action, Pro Complète, Aban Triple Action, c'est une simple action avec le plaisir de parler en public. Les pâtes dentifrice Airsun sont en vente partout en Guinée. Airsun, le vrai dentifrice qu'il vous faut. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite gire re la dia. Ora ile salam le mun dale du mayenge. Salam pomdo. Ile fana. Salam makoro taro. Neke ni salam ke bibita dido. He, mun dido tanya basa no taro. He, ile kone. Kone mako na boto pa. Iye mo ko boto. He, ape. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Vous nous suivez sur tout le littoral, ici à Conakry, de Symphonia, en passant par Lambani, Nongo, jusqu'aux portes d'Otaouya. Vous nous écoutez aussi hein, sur la corniche, donc sur l'autoroute Fidel Castro de Lansebouni, en passant par Matam, Madina, Bessia, Antache, Didier, Raoul, Hamza, Doucouré, jusqu'aux portes de Dabompa. Et vous nous suivez aussi et sur la route Le Prince, l'Arc de la démocratie de Bambeto Amdalaï, jusqu'aux portes de la cimenterie. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez à
marche, à l'écoute de Film Guinée, la radio du peuple. À venir, beaucoup de sujets au menu et cette affaire de faux diplôme, oui, qui gangrène l'administration guinéenne et comment y mettre fin, on en parle avec nos chroniqueurs. Et puis, il faut aussi le rappeler que notre invité ce matin exceptionnel, c'est monsieur Raphaël DM Keïta. Il est le directeur marketing et communication de One Exhibit Guinée. Avec lui, il sera essentiellement question de ce Guinéen, ce compatriote, si vous ne le savez pas, qui a raflé hein, une cagnotte, tenez-vous bien, de plus de 4 milliards avec cette société. On en parle dans la troisième partie de l'émission au compte de la rubrique Loar Talk. Mais bien avant, qu'est-ce qu'on va faire, mesdames et messieurs? On va relayer vos messages, puisque c'est ça aussi le supplément, la possibilité qui vous a offert de commenter l'actualité avec nos chroniqueurs. Ce message qui vient d'arriver et qui nous dit ceci, bonjour. Khalil et à toute l'équipe du supplément, chers journalistes, le juge de la CRIEF doit savoir que la valeur humaine, elle est sacrée, on doit la respecter, qu'il laisse Kassori aller se soigner. Et je clôture par saluer Elhaj Mamadou Sylla, président et charitable, toujours près des citoyens lambda. Longue vie à vous, signé Aboubakar Benfa Mara, dit Lélé Fauté. Et notre message, celui de Abdoulaye Sougué, qui vient aussi d'arriver. Il nous dit « Bonjour Khalil, le seul journaliste sexy en Guinée. Et bonjour à mes parents. » Yandi, ne me créez pas de problème. Yandi Fiala. Et bonjour donc à mes parents de Naran Sougué et de Mbourou. Et c'est mes oncles. Khalil, dans ce monde ici-bas, chacun à son tour est chez le coiffeur. Roger Bamba était enfermé jusqu'à sa mort et sans jugement par Kassori et son gouvernement. Et quand on préfère l'ordre à la loi, c'est ce que ça donne. L'histoire nous a enseigné que chaque gouvernance a un prix à payer obligatoirement par chaque citoyen. Bonne journée à vous. C'est donc Abdoulaye Sougué qui nous envoie ce message. Et cette alerte sécurité qui concerne un jeune fonctionnaire du ministère des Mines du nom de Nyandeka qui a été donc assassiné, qui aurait été assassiné ce matin selon nos informations par des bandits à Yataya. Il venait du travail. Hein. Le défunt était un évaluateur au Bureau national d'expertise BNE. Et paix à son âme, nos condoléances à sa famille. On va revenir sur ce dossier, si tout va bien, Inch'Allah. Allez, Ibrahim Diallo, l'un des inconditionnels de Film Guinée aussi, nous écrit, il nous dit « Bonjour Khalil et amicalement à toute l'équipe. » Bonjour à Toukoubia. L'affaire de Kassori et compagnie est très très compliquée dans la mesure où ils ont géré ce pays en se considérant comme des petits dieux. Et combien d'innocents ont perdu la vie à la maison centrale ou sur l'axe entre 2018 et 2020. Il faut questionner l'histoire. La roue tourne toujours. Bonne journée à vous. C'est donc Imran Diallo qui nous envoie ce message. Et Barry Mamadou Alpha UFDG aussi écrit. Et bonjour Ibrahim Khalil Diallo, le président de la Ouma et journaliste patriote auprès du bas peuple. Et bonjour à vos collègues chroniqueurs, singulièrement monsieur Ibrahim Sori, l'incontournable, le contigu de la base Guinée. Et s'il vous plaît, cette CRIEF déboussolée et désorientée, instrumentalisée par le CNRD, et pour en découdre avec les acteurs politiques les plus donc en vue. Et d'ailleurs, vous avez écouté ici lorsque le colonel Doumbouya disait qu'il fera le sale boulot. Et ils sont dans l'exécution de ce sale boulot. Et s'agissant de l'effondrement de cet immeuble en chantier, s'il vous plaît, et cette junte refuse d'assumer son manque d'expérience dans la gestion des affaires étatiques. Et seul le CNRD est responsable de l'effondrement de cet immeuble et qu'ils indemnisent les familles des victimes qui étaient les soutiens de leurs familles respectives. Et c'est Barry Mamadou Alpha UFDG qui nous envoie ce message. Un avant-dernier, une avant-dernière réaction très rapidement, celle de M. Mamadou Obilo Diallo qui nous écrit donc de Yataya. Bonjour à vous, M. Ibrahim Khalil Diallo, le président éternel de la Ouma. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya est en train... Non, non, non. Ce genre de messages, malheureusement, nous, on ne peut pas les relayer à l'antenne. Vous pouvez exprimer vos opinions en toute indépendance, en toute liberté, mais dans la responsabilité. C'est extrêmement important. Des messages qui incitent à la haine, à la violence et surtout qui portent atteinte à la dignité des uns et des autres ne sont pas du tout, ne sont pas à relayer. C'est ça aussi. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Hein. Allez, une dernière réaction, celle de Mamadou Alpha Diambouria Diallo qui vient aussi d'arriver. Et voilà. Bonjour Khalil et bonjour à tous les ressortissants de Dalaba Diti. Diambouria Dankama. Je suis parfaitement d'accord avec notre Kountigui, Ibrahim Sori Lenkonsouma. L'affaire de Krief là, c'est juste un acharnement contre les anciens dirigeants. L'écoute est favorable ici
à Gamboria. On s'arrête là-dessus. On poursuit le supplément. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur FIM Guinée, la radio du peuple. FIM FM, on l'appelle le temple de l'info. FIM FM, le temple des esprits brillants. Le temple du savoir et du savoir-faire. FIM FM, le temple du professionnalisme rigoureux. Le temple de l'info vrai, traité sans passion, mais sans concession. FIM FM, toujours un coup d'avance sur les autres. FIM FM, ça chauffe pas. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Nous sommes ensemble justement jusqu'aux portes de 11h pour faire de vous les premiers et les mieux informés dans notre pays. Très rapidement pour clore et ce sujet en lien à la réaction du gouvernement par rapport à ce drame Khalil Camara qui a ce drame survenu du côté de Matoto cette semaine. Et quelles peuvent être les implications juridiques de cette affaire-là? Qu'est-ce qui doit être fait juridiquement? Mon cher Romo, j'ai lu le communiqué du gouvernement, mais c'est un communiqué qui rappelle même la responsabilité de l'État. Je pense que c'est maintenant l'État se rend compte qu'il a une grande responsabilité en matière de la construction et de l'habitation. Donc voilà ce que le communiqué rapporte. Mais je voudrais d'abord rappeler les propos de l'une des victimes de cet écroulement d'immeuble. Il s'agit d'un jeune Fodesila âgé de 21 ans qui faisait partie donc des ouvriers surpris par l'incident que nous avons vécu du côté de Matoto. L'ingénieur a très mal travaillé. Regardez les bâtiments, il y a plus de sable que de ciment. Normalement, le chantier d'un bâtiment à 6 étages, surtout qui est construit au compte de l'État, devrait être suivi de près. C'est vrai, l'État, aujourd'hui, à travers ses communiqués, comme le rappelait Julie, est en train de nous dire que, notamment le gouvernement, que ce n'était pas un bâtiment comme on l'avait dit qui concernait des logements sociaux, mais c'est un bâtiment privé. Mais ce n'est pas parce que c'est un bâtiment privé que la responsabilité de l'État peut être occultée. D'abord, parlons de l'ingénieur. Vous savez que quand on parle de l'ingénieur, il s'agit des constructeurs. Des constructeurs ont une grande responsabilité dans la construction des bâtiments. Donc, lorsqu'il y a des faillites sur la construction des bâtiments, les premiers responsables sont des constructeurs. Et quand vous parlez des constructeurs, vous avez des ingénieurs, vous avez aussi des architectes. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que si l'immeuble qui se trouve du côté de Matoto a fait des faillites, bien sûr que l'ingénieur, sa responsabilité peut être engagée. Parce que l'ingénieur est responsable de la solidité des bâtiments. L'ingénieur doit veiller à la bonne qualité des matériaux de construction. Donc si le bâtiment s'est écroulé, moi je pense que l'ingénieur bien sûr doit d'abord être interpellé. Et pourquoi peut-être que c'est fait. Et quand on dit d'ailleurs à la mesure où une enquête a été annoncée par le gouvernement. Oui, c'est fait, mais ce n'est pas tout. Parce que je l'ai dit, les propos du père du jeune met en cause la responsabilité de l'État, évoque la responsabilité de l'État, mais aussi la responsabilité de l'État. Maintenant, revenons sur la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État, quand vous prenez par exemple le code de la construction et de l'habitation, l'État doit mettre en place des structures pour veiller au respect des normes de construction et de l'habitation. Mais dans notre pays, je me demande si des structures administratives existent pour justement veiller à ces normes-là. Moi je me demande, sinon au niveau régional, au niveau central, au niveau des communes, est-ce que réellement il y a des structures? Parce que s'il y a des structures là aujourd'hui, moi je pense qu'il manque vraiment à l'État de les mettre en œuvre parce qu'elles ne jouent pas pleinement leur rôle. Merci. Quand vous partez par exemple niveau de la minière, vous savez quand on occupe par exemple des voies publiques pour la construction des bâtiments, lorsque vous finissez, en principe il fallait un suivi de l'État. C'est pour voir est-ce que réellement les voies publiques ont été rétablies. Mais à la minière, précisément au niveau de chez Sidya Touré, de l'ancien domicile de Sidya Touré, vous avez des étages qui sont construits là-bas. Il y avait des goudrons qui étaient bien planifiés, mais aujourd'hui, à travers ces travaux routiers, on a enlevé ces goudrons-là. Et il n'y a personne, il n'y a aucun représentant de l'État pour venir dire à ces constructeurs-là, si vous avez fini les travaux, rétablissez nos routes, parce que chacun fait ce qu'il veut. Merci. Donc l'État vraiment doit se lever. Et c'est pourquoi, par ailleurs, je peux apprécier ce communiqué, parce que ça doit aussi interpeller le ministère de l'Habitat à ce qu'il prenne ses responsabilités pour que désormais on n'assiste plus à ces drames. Merci Khalil Camara. La suite dans un instant. FIM FM 95.3 Flamberge au vent.
Avec la foi du charbonnier, à la force du poignet, nous avons réussi à percer ce qui s'apparentait à un plafond de verre. FIM FM. En réalité, nous avons réussi bien plus. Fendre l'armure. Avec l'avènement attendu de FIM 24, en ligne de mire désormais, être le principal média prescripteur de la sous-région. FIM FM. Yes, we can. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. On en vient maintenant à ce sujet. Notre pays, la Guinée, risque-t-il de tomber dans le giron russe de Poutine en emboîtant les pas des Maliens, des Burkinabés, même des Centrafricains? Même si cette possibilité, insistons beaucoup là-dessus, n'est pas pour le moment dans l'agenda du CNRD et du gouvernement de la transition. Mais il faut dire que Conakry quand même et Moscou veulent insuffler encore un nouvel élan à leur coopération. Ce n'est pas une première. Mais l'initiative intervient à quelques semaines du sommet russe-afrique prévu fin juillet à Saint-Pétersbourg et construction de centrales nucléaires. Oui, modernisation des équipements militaires et projet d'infrastructure énergétique. C'est une coopération touchant tous les domaines stratégiques et qui se négocie en coulisses selon des informations rapportées par nos confrères d'AfricaGuinée.com. En plus des mines où le géant de l'aluminium Rusal dispose et de gisements importants, le pays est dirigé par Vladimir Poutine et pourrait étendre son influence en Guinée ici dans notre pays. Et selon l'agence russe Sputnik, la Guinée étudie même les possibilités de la modernisation des anciens équipements militaires et de fabrication soviétique et russe. Notre pays compte aussi attirer de grands groupes russes pour accomplir des projets énergétique et d'infrastructure selon l'agence russe. Et des discussions ont eu lieu à ce propos avec le groupe russe Russo Hydro et pour la construction de barrages et de centrales hydroélectriques. Et des projets seraient même identifiés, et bien Mamadou Ayabalde, dans les villes de Dabola et Massanta. Alors je vous renvoie à cette première question là, oui, pour ramener dans la salle. Est-ce que la Guinée risque aujourd'hui d'emboîter les pas des Maliens, des Burkinabés et même des Centrafricains, ou bien c'est trop dire? Bon, cette possibilité est à écarter. C'est difficile de le dire pour le moment parce que nous n'avons pas toutes les informations là-dessus. L'État guinéen a le choix d'identifier l'État ou les nations avec lesquelles il peut coopérer. Donc ce n'est pas à exclure, mais pour le moment on ne peut pas le dire, l'affirmer d'emblée. Mais quand on regarde en tout cas le contexte géopolitique international au niveau de l'Afrique ces derniers temps, c'est que les transitions militaires ou les transitions sont en train de faire les jets doux au Kremlin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le cas de la Centrafrique où ils sont très présents, mais aussi le Mali avec ce groupe Wagner, mais également le Burkina Faso. Alors tout ça, il faut le rappeler, intervient en perspective du sommet Russie-Afrique qui est prévu au mois de juillet, donc à Saint-Pétersbourg, vous l'avez dit. Donc les secteurs qui sont pour le moment identifiés, c'est d'abord l'énergie où, en tout cas, on nous apprend qu'il y a un projet de construction d'une centrale nucléaire, ça serait déjà en étude entre la Guinée et justement la Russie. Et la Guinée compte également accueillir des grands groupes russes pour accomplir justement des projets énergétiques selon l'agence Sputnik, donc ces constructions de barrages, des centrales hydroélectriques, des projets sont identifiés justement dans les préfectures de Dabola et Massenta, vous l'avez évoqué. L'autre secteur, c'est le secteur de la défense au niveau militaire. Vous savez, une bonne partie du matériel dont dispose l'armée guinéenne sont des matériels de fabrication russe. Donc, et ce qui est constaté aujourd'hui, c'est que ces matériaux sont frappés d'obsolescence et donc il faudrait donc les renouveler, les moderniser. Donc ces questions également sont à l'ordre du jour, donc on va évoquer ces questions-là dans cette coopération entre la Russie et la Guinée. Donc c'est l'ambassadeur de la Guinée du côté de Moscou qui nous l'apprend. Donc il y a des discussions déjà qui sont engagées, qui sont en cours pour tous ces projets, que ce soit sur le domaine énergétique mais aussi dans le domaine militaire. Alors également il faut rappeler que la Guinée, dans le conflit qui oppose en ce moment la Russie
à l'Ukraine, la Guinée a adopté une position de neutralité. Et d'ailleurs, c'est une position historique toujours pour la Guinée, parce que rappelons-le, lors de la guerre froide également, la position de la Guinée entre donc le bloc occidental et le bloc de l'Est, c'était le non-alignement. Donc la Guinée reste en tout cas attaché à ses positions historiques, et je pense que c'est de la cohérence et il faut l'accepter comme tel. Il faut l'accepter comme tel. Le vieux barbu, est-ce qu'il faut écarter cette possibilité-là, la possibilité de voir la Guinée tomber dans le giron russe, surtout que nous sommes en transition et souvent les régimes de transition, en tout cas ces derniers temps, ce qu'on a vu, sont très friands quand même de la Russie, hein, de Poutine. On a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, et même en Centrafrique. Oui, ce que je ne peux pas peut-être rejeter, et tout pays qui apporte, en tout cas en termes de développement à la Guinée, je ne suis pas contre. Si c'est la Chine qui peut aider la Guinée à se développer, il faut aller avec la Chine. Notre nouveau Maurice Sanda. Oui, si, non, pas ça, j'en viens tout à l'heure. Si la Turquie peut apporter quelque chose à la Guinée pour son développement, je ne suis pas contre. Si c'est la Russie qui peut apporter quelque chose toujours pour le développement de ce pays, pour la population de ce pays, je ne suis pas tout à fait contre. Mais ce dont je suis contre... Vous savez, mais la conjonction de coordination, qu'elle allait venir, cette conjonction. Oui, très bien. Oui. Je ne voudrais pas vraiment qu'on mette la Guinée dans des positions un peu difficiles. Comment ça? Vous évoquez le cas du Mali, vous évoquez le Burkina Faso. Mais sur le plan sécuritaire, la Guinée n'a pas la même situation aujourd'hui. Attendez, être avec la Russie, ça peut représenter un danger? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je dis, je suis pour le développement de ce pays. Mm-hmm. Je suis pour tout ce qui peut aider la Guinée à sortir de l'obscurité. Mais je ne suis pas pour qu'on mette la Guinée dans des positions de faiblesse. Je ne pense pas que la Guinée soit dans la même position que le Mali et le Burkina. Le Mali, c'est un pays qui n'est pas contrôlé maintenant par son État, la moitié du territoire. Le Burkina Faso est pratiquement incontrôlé. La Guinée a une situation particulière. Nous ne sommes pas un pays de guerre, nous ne sommes pas en danger pour le moment. Et j'espère que ces coopérations qui sont aujourd'hui quand même peut-être en train d'être ficelées ne pourraient pas mettre ce pays dans des situations difficiles. Alors rappelez-vous qu'il y a quelques mois, la Guinée signait aussi un accord militaire avec la France. Vous avez vu à l'époque les images du général Idi Amin de l'autre côté de Paris. Et ça, vous vous rappelez très bien. Rappelez-vous que sous Alpha Condé, la Guinée avait des liens avec la Turquie. On a des coopérations militaires aujourd'hui avec le Maroc et d'autres pays arabes. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce que la transition que nous sommes en train de vivre doit engager la Guinée dans ces situations? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un régime légitime pour signer certains actes de coopération ou de partenariat? Des fois, j'ai du mal à vous comprendre. C'est-à-dire, vous êtes pour le développement de ce pays. Non, je dis. Non, vous êtes pour le développement de ce pays. Au même moment-là, et quand les autorités de la transition nous engagent dans des projets et comme par exemple la construction de centrales nucléaires ou la modernisation des équipements militaires et même la construction d'infrastructures énergétiques, vous estimez que il n'est pas du rôle du CNRD de le faire? Non. C'est que je ne comprends pas. Je vous dis, oui, pour l'énergie et autres actes de développement, je ne suis pas contre. Mais vu par exemple l'expérience russe sur le continent, il y a des questions à me poser. Regardez aujourd'hui, la Russie est au niveau des pays qui sont encore instables. Le Mali est à côté avec Wagner. Vous avez vu le cas de la Centrafrique où le président aujourd'hui est en train même de modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir malgré ce que ce pays a subi. Le mathématicien Touadéra. Oui, mais Touadéra est venu au pouvoir dans une situation inédite. Mmh. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de refaire une autre histoire de ce pays avec la bénédiction de la Russie. Je ne veux pas que la Guinée tombe dans une telle situation. L'ami du colonel Mamadi Doumbouya dans la région, l'un de ses meilleurs amis, si on peut l'appeler comme ça, c'est Assimi Goïta. Hein. Et voilà, ils sont liés par les forces spéciales, ils sont liés aussi par le destin, parce que chacun d'eux a réussi quand même à accéder disons à la tête de son pays. Mais comment expliquer un peu cette incohérence dans leur idéologie? Le Mali, par exemple, carrément a tendu la main, a ouvert ses bras à la Russie. Mais au moment, la Guinée, voilà, au départ, dit le contraire.
La Guinée est beaucoup plus ouverte, voilà, la France. Oui, comment expliquer ça? Mais Khalil, la Russie... On a même des informations selon lesquelles, entre les deux hommes, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est plus ça. Oui, Assimi mais vous avez compris que les frères siamois, à un moment donné, les relations ont été refroidies, puisque la Guinée, avec le CNRD, est beaucoup plus avec la France. De l'autre côté, la France est rejetée. Ce qui fait que les deux poumons de le même corps se sont séparés il y a un peu longtemps, et vous savez que les relations sont un peu froides. Mais Khalil, ce que je vais juste évoquer, depuis l'indépendance de la Guinée, la Russie est dans ce pays. Ça, vous le savez, on a encore des entreprises russes qui ont apporté quoi à ce pays? La question se pose. Russal, elle a allé aujourd'hui à Fria. Comment les travailleurs de Fria sont traités? Et c'est la Russie qui est de ce côté. Moi, j'aurais voulu que les militaires fassent leur possible d'organiser les élections, qu'on dit très bien la transition, s'il n'y a pas un autre agenda. Oui, mais le pays ne peut pas s'arrêter pour ça aussi. Hein. Je n'ai pas dit que le c'est pays s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on est en transition qu'il faut s'arrêter. On est en train d'apprécier tout ce qui... Khalil, tout ce qui se fait pour le développement de ce pays, on apprécie aujourd'hui. Il y a absolument, des routes. Absolument. Hier, moi, j'ai emprunté les routes construites sur le long des rails, peut-être de Sofonia jusqu'à l'autre bout de Conakry. Tout cela, on apprécie. Mais tout ce qui peut... Demain, mettre la Guinée en difficulté. Bien. Moi, je prie le colonel d'abandonner ça. La Guinée n'est pas dans une situation de conflit. Ça, vous savez très bien. Il ne faut pas attirer les mauvaises intentions sur ce pays. Oh. C'est un pays de paix qu'on a trouvé. Et moi, je pense qu'il faut renforcer, en tout cas, cette paix. Ce qui est bon est bon, mais ce qui est mauvais aussi, il faut le signaler. Je ne veux pas qu'on nous mette dans une situation vraiment qu'on pourrait regretter avec quoi que ce soit comme force et le renforcement militaire, tout ce que vous savez aujourd'hui. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça, franchement parlant. Est-ce que, Imphali Guilavogui, vous estimez, vous pensez que la Guinée doit faire attention à la Russie? Bon, je pense que entre la Guinée et la Russie, il y a des relations séculaires, des relations de coopération séculaire. Parce qu'imaginez-vous, en 1958, l'Union soviétique était la puissance qui avait tendu la main à la Guinée lorsque la Guinée accédait à l'indépendance. Et la Russie actuelle et la Guinée aussi ont des relations. Parce qu'imaginez-vous, au temps de M. Alpha Condé, presque tous les forums que la Russie organisait, il était souvent confié. Il faut mentionner que c'était vers la fin du deuxième mandat d'Alpha Condé. Voilà, à l'époque, même, on a senti qu'il voulait se tourner beaucoup plus vers la Russie. Oui, il n'est pas trop regardant par rapport à certains principes démocratiques. La Russie, bien. Vers la Turquie et la Chine. Donc, c'était fait à dessein. Bon, ça, c'était le régime d'Alpha Condé. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la Guinée, sur le plan géopolitique, doit se repositionner? Je pense qu'aujourd'hui la Guinée quand même peut se positionner sur le plan de développement, parce qu'un pays ne doit pas évoluer à vase clos. Mais cependant, elle doit faire beaucoup attention, parce que vous avez parlé du cas du Mali, du Burkina Faso. Je pense que nous n'avons pas les mêmes problèmes sécuritaires. Mais sur le plan de développement, il est quand même de la responsabilité des autorités actuelles de sceller des accords. Parce qu'imaginez-vous, il y a quelques années, la Russie est en train aussi de se repositionner comme les autres puissances. Raison pour laquelle elle a déployé son artillerie diplomatique sur le continent. Donc partout aujourd'hui, elle est en train de faire les yeux doux. Donc c'est qu'il y a de la responsabilité du gouvernement de faire attention. Partout où la Guinée peut quand même sceller des partenariats, gagnant-gagnant pour pouvoir se développer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Maintenant, sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, je crois que la Guinée aussi doit se repositionner sur ce plan dans la sous-région, parce que nous sommes en période de transition, en période de refondation, en période de rectification institutionnelle. Donc le gouvernement, à cet effet, doit quand même essayer de mobiliser son artillerie également, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, afin donc de repositionner la Guinée sur le plan international. Et surtout, parce que Alpha Condé avait quand même sa politique extérieure.
Et donc ça n'allait pas trop entre lui et la France, surtout quand il a changé de quand il s'est engagé à modifier la constitution et à faire un troisième mandat. Parce que parmi ces puissances-là, vous avez certaines qui cherchent leur intérêt, d'autres en revanche sont très très regardantes sur le plan des droits de l'homme. Justement. C'est un peu comme alors, la France et autres. Vous me tendez donc la perche. Aujourd'hui, oui. Il est de la responsabilité de la Guinée de sceller des partenariats, mais de faire encore beaucoup attention en voyant son intérêt, en pesant dans la balance. Parlant d'intérêt, sauf que Diarra Guirassy, sauf que, je me répète là, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs pensent que la Russie est un peu le soutien des dictateurs, bien entendu, de ces présidents qui ont l'ambition souvent de s'éterniser au pouvoir, qui ont l'ambition de s'éterniser à la tête de leur pays. Et souvent, c'est un pays, c'est une puissance qui soutient les dictatures, qui soutient des nations dans lesquelles on ne parle pas des droits de l'homme, on n'est pas respectueux des principes démocratiques. Garay. Sauf que ça, les gens. Est-ce que ce n'est pas ce qui amène les gens à avoir peur de ce rapprochement entre Conakry et Moscou? Il faut sortir tout simplement. Médecin qu'est le Kremlin. Il faut sortir tout simplement de l'extrapolation. Ce qui est devant nous, c'est une coopération énergétique et militaire, et je pense que ce sont des domaines promoteurs de développement. Aujourd'hui, il y a bien de choses qui sont citées dans cette coopération ficelée entre la Guinée et la Russie, et je pense que la Russie est un état non des moindres à travers le monde, qui a de l'expérience, qui vient de loin. La Guinée peut s'en inspirer, bien sûr, de son côté positif, pas du côté négatif, c'est très important. Il ne faut pas toujours voir le mauvais dans tout ce qui est en train d'être fait. Vous allez voir la Russie comme étant un état qui soutient des états prédateurs, mais après, vous ne voyez pas derrière la révolution. La révolution que fait la Russie, ça c'est un secret de polichinelle. Mais bien sûr, vous savez que la Russie est un pays, quand son président parle, oui, mais bien sûr, Garay. Parce que militairement, c'est un pays infranchissable, il faut le dire. Là, on respecte la Russie à travers ça, et on respecte la Russie à travers l'intégrité même de ses hommes, ça il faut le dire. Donc si je vous comprends Afrique, si Lincoln dit qu'il n'y a pas un besoin pressant de faire un partenariat d'engager dans certains projets. Oui, parce qu'on parle de coopération militaire. Oui. Laissez-moi vous dire que dans la sous-région, il y a un risque de terrorisme qui plane dans la sous-région. Et je pense que la Guinée, en ficelant des coopérations comme ceci, c'est justement une façon d'anticiper. Ce qui est quand même nouveau. Oui, bien sûr, il faut anticiper. Si je vous comprends bien, la Russie est un peu le rempart contre le terrorisme. Je ne dis pas que c'est le rempart. On a la France ici. D'une manière. On a les États-Unis également. Voilà, la Chine également. Voilà, c'est ce que je vous dis. Oui. Il faut pas. Je ne suis pas en train de centraliser ça sur la Russie uniquement. Si la Guinée signe des coopérations ou ficelle des partenariats avec les États, les grands États, comme la France, comme la Turquie, comme la Russie, je ne vois pas de mal en soi. Que cette coopération va au-delà de l'aspect militaire. En plus des mines, par exemple, où le géant de l'aluminium russal dispose, il faut aussi mentionner ça, de gisements importants, le pays de Poutine pourrait étendre son influence en Guinée dans d'autres secteurs. Par exemple, on parle de construction de centrales nucléaires. C'est un projet colossal, ça, qui doit être, fait et dans le temps, à la fois dans le temps et dans l'espace aussi. Est-ce que ça peut être dévolu à une autorité de transition qui n'est juste là que pour 2 ans ou 3 ans, Diarra? Mais écoutez, la transition peut piloter le projet jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas attendre ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne peut pas attendre remettre ça demain. Il faut commencer en espérant que celui qui va venir en tant que président démocratiquement élu après la transition va continuer ce qui a déjà commencé. Bien. Mais encore une fois, tout ce qui est en train de se dire avec la construction de tout ce que tu viens de mentionner, je pense que cela relève d'une vision
Exprimé par le CNRD. Exprimé par le CNRD et qui doit être perpétué parce que c'est de la bonne vision. Quand même, je le constate avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Et ce n'est pas parce que nous sommes en transition qu'il ne faut pas être visionnaire. Mamadou Yaya Baldé. Oui, je voulais juste dire par rapport à la construction des centrales nucléaires. Vous savez, ailleurs, notamment en France, aujourd'hui, la tendance, c'est comment se débarrasser de ces centrales-là parce qu'elles produisent de l'énergie. Elles sont nuisibles. Fossiles, exactement. Donc, de l'énergie fossile. La promotion aujourd'hui de l'énergie vers laquelle il faut aller, c'est les énergies nouvelles, renouvelables, les énergies dites propres. C'est vers ça qu'il faut aller. Mais autre chose rapidement qu'il faut dire par rapport à la Russie. La Russie également, c'est ce pays qui s'en fout des droits de l'homme, c'est ce pays qui s'en fout de la démocratie. La Russie, quand elle est présente dans un pays en Afrique, c'est comment extraire de la terre rouge, comme c'est le cas de la bauxite en Guinée, et par après faire ses affaires. Tant pis si des Guinéens sont en train de mourir, tant pis si la démocratie n'est pas respectée. Bien. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait rappeler il faut s'inquiéter. Qu'entre la Guinée et la Russie, peut-être on a partagé aussi ce que nous partageons aussi de commun, c'est la dictature, les régimes de dictature. Quand vous entendez des gens dans ce pays se réclamer des Poutines, mais c'est parce qu'on a ces mentalités staliniennes qui sont dans nos esprits. On connaît la première République. Quelle mentalité, Yaya? Ce pays quand même nous a soutenus ici après 58, quand la France nous a abandonnés. Non, il faut arrêter dans ça. Dans ce pays, nous aimons des hommes forts. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Écoutez, alors, dans ce pays, nous aimons les hommes forts. Vous savez, en Soussou, on dit ceci, Amiria Kobimé, comment on dit ça? Il a fils de Wali, c'est-à-dire. La Russie n'est pas le seul pays. Attendez, il faut être ferme, il ne faut jamais être ingrat. Donc, la Russie n'est pas le seul pays qui nous a aidés. Oui. Donc, la Chine a fait la même chose. Oui. Beaucoup d'autres pays, modèle démocratique. Même la France, bien. Même la France qu'on a tendance à flageller, à attaquer, cette même France nous a aidés. Attention. Aider. La Russie est un pays danger pour la démocratie. Non, pas du tout. Ça, vous le savez très bien. Avec toutes ces pratiques. D'accord. Voilà, tourner vers la Russie. Comment ça? Comment ça? Est-ce que c'est la Russie qui définit la politique? Les ciseaux. Lincoln, oui. Rapidement, oui. Oui. Et penser que mon pays va être forcément avec la Russie, ça veut dire que. On n'a pas dit forcément. Non, c'est ce que je dis. Oui. Moi, j'espère aujourd'hui que ce Poutine n'est pas un modèle pour la démocratie. Ce Poutine. Lincoln, c'est pas un crime de moderniser notre armée. Ça, c'est pas un crime, ça. Non. C'est pas un crime de développer ce pays-là. Je vous dis, ce n'est pas un crime. Je suis pour le développement. Ouais. Mais quel développement? Allez, bien. C'est la réalité. Amadou Diouf de Diallo. Non, et Khalil, il faut comprendre l'inquiétude des uns et des autres par rapport à ce rapprochement qui est annoncé. Parce qu'il faut dire que. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui estiment que la Russie n'est pas un modèle en termes de démocratie. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut voir? On s'en fout. Le plus important, c'est quoi? Si notre pays avance. On a aussi Si nos autorités sont respectueuses de leurs paroles. Les deux ans de transition. On a aussi besoin, Khalil, de voir ça. Oui. On a toujours regretté avec les autorités de la transition actuelle que... qu'elles ont beaucoup plus concentré sur des actions de développement que sur la conduite de la transition en ce qui concerne un peu le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut dire que ce rapprochement dont il est question a annoncé ces signaux depuis plusieurs années parce que la Guinée est restée le seul ou l'un des rares pays au monde de n'avoir pas pris position par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, la Guinée aussi a été, l'économie guinéenne a été fortement frappée par cette guerre mondiale. Mais c'est que cette guerre russo-ukrainienne, c'est pas une guerre mondiale. Bien sûr, d'accord. Faut faire beaucoup attention. Bien sûr. Alors, l'autre aspect que je souligne très rapidement, c'est de dire que les actes de coopération qui sont annoncés, parce que ce n'est pas que dans le domaine de l'armée, mais c'est de faire beaucoup attention, de ne pas aller dans la précipitation. Pour signer des accords qui peuvent nous rattraper dans l'avenir. Parce que nous sommes dans une transition. La transition, comme son nom l'indique, c'est de quitter d'un point A vers un point B. Et après, la transition va passer, mais les accords vont demeurer. Et c'est un régime civil qui va venir après la transition. Il ne faut pas créer... Allez-y.
continuer. Voilà, faut pas créer des problèmes. Mais maintenant, moi je suis pour qu'il y ait des actions de développement, mais il faut voir avec qui signer ces accords de développement là, parce que je suis personnellement d'accord pour dire qu'il faut se tourner pendant que nous sommes en transition, faut se tourner vers des pays qui sont des pays des modèles en démocratie, parce que ça peut inquiéter. Et quand on dit que la Guinée, pendant cette transition, parce que la Russie n'a pas une proximité un peu admirable par les populations, notamment en Afrique, ces derniers temps, on a vu tout cela, la Guinée n'est pas appréciée dans tous les pays africains. Donc, la Russie, prenez par exemple le cas de Mali, de Burkina et autres, Diarra, il parle s'inquiète par rapport à une éventuelle attaque terroriste sur le continent. Mais pour moi, aujourd'hui, on a beaucoup investi pendant ces deux dernières années, depuis le renversement du régime d'Alpha Condé. On a beaucoup investi dans l'armée. Et s'il faut aller à l'international pour concrétiser tout cela, c'est pas mal en soi, mais il faut faire beaucoup attention pour ne pas signer des accords qui peuvent nous rattraper demain encore une fois. Et Khalil Camara, le peuple vous écoute. Oui, mon cher Omo, je pense d'abord que la Guinée s'expose à un danger mondial. Parce que, un danger, vous dites? Oui. En s'approchant de la Russie. Oui, en s'affichant aujourd'hui avec la diplomatie russe, bien sûr, la Guinée s'expose à un péril. C'est juste incroyable. Et oui. Non, on vous écoute. Vous allez comprendre. D'abord, il faut comprendre, la Russie, c'est un peu comme l'État qui est aujourd'hui en guerre avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, avec toutes les grandes puissances. Donc, vous allez, par exemple, voir que quand la Guinée, qui est un petit État entre ces puissances, s'affiche avec une puissance qui est déjà en désaccord avec beaucoup d'autres puissances, vous voyez là que pour moi c'est un danger. Yaya a parlé d'une position de neutralité même pendant la guerre froide. J'aurais préféré que la Guinée garde encore cette position, qu'elle garde cette réserve envers les autres, les grandes puissances. Parce que ce que je remarque, si la Guinée aujourd'hui s'affiche avec la Russie, c'est comme si elle apportait son soutien à la Russie. Non, je pense vraiment que dans ce studio, les gens font l'amalgame, les gens ont du mal à comprendre. Oui. La Guinée, par rapport à la guerre russo-ukrainienne, a opté pour la position de neutralité. Mais cela ne veut pas dire que dans le cadre de la coopération, la Guinée ne va pas coopérer avec les deux États. Bien. Merci Diarra. Je pense que vous faites des sorties par rapport à ça. C'est l'intérêt qui lie les États. Merci beaucoup. Voilà, allez-y. Évidemment, c'est les intérêts qui lient les États. Je dis que la Guinée aujourd'hui, c'est comme si elle apportait son soutien à la Russie. Vous noyez, qui est d'ailleurs en guerre. Vous allez comprendre, mon cher Omo. D'accord, allez-y. Vous avez parlé des nucléaires, mais vous savez centrales quand même nucléaires. Des centrales nucléaires. Oui. Des centrales nucléaires. Vous avez parlé des centrales nucléaires, mais vous oubliez qu'il y a une contrepartie. C'est-à-dire que la Guinée donne une contrepartie à la Russie, et la Russie, obtenant cette contrepartie, se positionne encore beaucoup plus dans son combat, se positionne encore beaucoup plus dans la guerre. Est-ce que la Guinée n'apporte pas, d'une manière directe ou indirecte, son soutien à la Russie? C'est un soutien, vous ne pouvez pas le nier. Et ce soutien-là va être vu d'un très mauvais œil des autres puissances. C'est pour dire que la Guinée, qui est aujourd'hui un petit État, se met en danger. La France, déjà, vous avez parlé de cette coopération aussi entre la Guinée et la France. Et même la France est en guerre, même si ce n'est pas une guerre déclarée, mais c'est une guerre froide avec la Russie. Donc même la France aujourd'hui peut bloquer certains apports qu'elle apportait à la Guinée à travers cette coopération avec la Russie. Vous pensez que la France est une jeune dame qui va se laisser faire histoire? C'est possible. Non, c'est possible. Pas du tout. C'est possible. On a aussi parlé. Bien. Allez-y, Khalil. C'est dangereux. Oui. Vous avez aussi, on a aussi cette relation
qui s'est aujourd'hui dégradée entre le Mali et la Guinée. Mais non, moi, ça, c'est vous qui le dites. Vous l'apprenez. Non, moi, je ne l'ai pas dit. Non, je crois que c'est Lincoln qui l'avait dit. Oui. C'est Lincoln qui l'avait dit. Oui. Mais je voudrais tout simplement dire que même si cette relation, elle était dégradée, ça évolue en fonction des intérêts, en fonction des circonstances et en fonction du temps. Si aujourd'hui, colonel, il est d'accord avec le président malien Assimi Goïta, demain, il peut ne pas être d'accord avec eux. Et cela dépendrait des circonstances et des événements. Aujourd'hui même, il y a des informations selon lesquelles Lincoln ne dira pas le contraire. Et qu'entre le colonel Mamadi Doumbouya et son ami Assimi Goïta, ce n'est plus le parfait amour. Mais moi, je pense, je ne crois d'ailleurs pas à la dégradation de cette relation. On met ça au conditionnel. Ce que j'estime, c'est que Assimi Goïta a tiré son ami vers la Russie. Et comme on l'a dit, la Russie, ce n'est pas un exemple en matière de démocratie pour les États. C'est d'ailleurs un État qui est réprimé quand il s'agit des questions de démocratie. Donc si la Guinée, le Mali aussi qui est en transition, a tiré la Guinée à travers son ami, bien sûr, vers la Russie, on va s'attendre aussi à des conséquences. Ces conséquences-là, c'est connu. C'est que la Russie, c'est un État aussi qui soutient des pays en dictature, comme d'autres l'ont rappelé dans ces studios. Alors, est-ce qu'on ne va pas craindre aujourd'hui que les autorités qui nous dirigent maintenant ne cherchent pas à s'éterniser au pouvoir? Parce que le raccourci. Non, ce n'est pas un raccourci. C'est un raccourci. On peut craindre. Je dis, c'est. Oui, pourquoi? C'est une inquiétude que je soulève. Oui. On peut craindre aussi. Oui. Parce que si réellement on cherche des puissances, on cherche des États comme la Russie pour être soutenus, pour avoir des coopérations, on peut aussi penser qu'on veut aller contre des principes démocratiques, bien évidemment, pour s'éterniser au pouvoir. Merci, Khalil. Et pour terminer, mon cher Omo, je suis d'accord avec Lincoln sur ce point. La réserve serait mieux, surtout quand il s'agit d'une transition. Doit savoir raison garder. Les autorités d'une transition devraient se réserver à engager la Guinée dans des décisions d'un tel enjeu. Comme la modernisation de son armée, par exemple. Tout ce qui comme la construction des infrastructures. Tout ce qui concerne la coopération. Non, attendez. Le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'on est en transition. Les autorités actuelles. On ne peut pas s'arrêter pour ça. Les autorités actuelles n'ont pas une telle légitimité. Oui. Donc, il fallait se réserver. Attendre un moment avant de nous engager à des choses qui nous engagent envers d'ailleurs le monde. Merci. Donc quand quand l'exécution va commencer, le président démocratiquement élu qui va venir, il n'a qu'à faire une table rase. Je voudrais aussi dire les ciseaux. Ben voilà, on doit évoluer. Essayez Khalil Kamara rapidement 30 secondes. Ça veut dire, attendez, je pose la question. Ça veut dire, et le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement doivent s'asseoir pour dire bon, puisque nous sommes en transition, on ne va pas construire ni de route, on ne va rien faire. Je vais vous dire quelque chose à Diaraï. Oui. La relation entre les États dépend de la volonté politique du pouvoir en place. Je voudrais dire que quand Assimi Goïta venait, il n'y avait pas de relation entre le Mali et la Russie. Mais aujourd'hui, il y a une relation entre le Mali et la Russie. C'est pour dire que même si les autorités actuelles, notamment le président même du CNR, engagent la Guinée envers la Russie, c'est pas aussi interdit qu'un président viendrait qui va aussi rompre cette relation. Merci Khalil, rapidement. Le vieux barbu, oui. Rapidement. Il y a un problème de légitimité. Oui. Il y a aujourd'hui des actes qu'il faut quand même, pourquoi pas, classer. Il y a certains actes, il faut la ratification du Parlement. La légitimité. Bien. Est-ce que la transition que nous sommes en train de vivre va engager la Guinée dans des situations qui pourraient être remises en cause demain? Puisque la plupart des décisions prises aujourd'hui. J'ai l'impression que vous dramatisez les choses. Je vous dis qu'il y a des situations dans lesquelles. Comme quoi? Il faut forcément. La modernisation de l'armée, par exemple. Je vous dis. Ça? Il y a des choses dans lesquelles. Oui. La transition ne peut pas conduire construire la Guinée une centrale nucléaire à aussi. Cause de l'illégitimité. Bien. Il faut un pouvoir légitime, il faut une assemblée légitime pour engager la Guinée dans certains domaines. Mais sauf que sinon, demain, sauf que tout cela pourrait être remis en cause. Mais sauf que construire les routes, de vous dirons, sauf que de quand vous dirons, oui. C'est ce même pouvoir illégitime là. Parce que c'est ça que vous attribuez au CNRD qui va organiser des élections libres et transparentes. En tout cas, c'est le souhait. Une transition est hautement politique. Oui. Tout ce que ces autorités devraient faire maintenant, c'est organiser des élections et laisser la main quand même au président que les Guinéens vont choisir pour la bonne légitimité. M'Fali Guilavogui, en 30 secondes. Oui, je pense qu'il n'y a pas de fait au lac quand même. C'est que chaque régime choisit sa politique extérieure. Monsieur Sékou Touré avait sa politique extérieure.
qui a été assez différente de celle de M. Lansana Conté. Alpha Condé avait sa politique extérieure. Pendant cette période de transition, je pense que la jeune peut choisir ses partenaires. Ce qui ne remet pas en question la doctrine diplomatique de la République de Guinée. Alors là, je pense que des accords qui vont être scellés, si ça ne va pas dans le sens du développement, ça ne va pas dans la consolidation de la paix, le régime qui viendra pourrait par exemple les annuler et choisir aussi sa politique extérieure. Aussi simple que ça. Voilà, c'est très simple. Allez, merci beaucoup Mfali Guilavogui. On va encore partir, on va encore s'acquitter et de nos obligations commerciales derrière l'arrêt info sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Je le rappelle que vous pouvez continuer donc à commenter cette actualité. On va relayer tous vos messages dans un instant, juste après la pause. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entendus. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction Nationale des Transports Terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formations avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction Nationale des Transports Terrestres. Welo aduna tingi ki do yidi salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango angkadi salam funye non hey fi hodu hina salam jillado emi joni non ko hodu burani yo he ko no min kala ko ni ji salam no wala la tech salam julie ge fi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Ma copine, j'aimerais bien que tu m'indiques ton dentiste. J'ai remarqué que tu n'as ni caries ni maux de dents. En plus, tes dents sont éclatantes et tu as une bonne haleine. Non, mais c'est très simple. J'utilise le dentifrice Airsun Triple Action. Et c'est cette pâte qui t'offre ce beau sourire. Mais oui, ma copine, j'en avais assez de pourrir mes dents avec toutes ces pâtes de mauvaise qualité. Désormais, avec les pâtes dentifrice Airsun Triple Action, Pro Complète, Aban Triple Action, c'est une simple action avec le plaisir de parler en public. Les pâtes dentifrice Airsun sont en vente partout en Guinée. Airsun, le vrai dentifrice qu'il vous faut. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Ah, mais vous aussi, finalement vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la dia. Ora ile salam le mun dale duma yenge. Salam pom do. Ile fana. Salam ma koron taro. Ne ke ni salam ke bibita di do. He, mun do ta nyamba sanu taro. He, ile koni. Koni ma kona boto pa. Iye mo ko boto. He, abe, ju salam be duma nye. Salam.
Salam, Gridengi Nyanama, Dias Medoladeni Mena. Salam, souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Elles seront dédiées aux bacheliers les plus méritants sortant de tous les lycées de la République de Guinée. Implantées à Dalaba dans un cadre propice à l'exploration et la transmission du savoir, les CPGE constituent un tremplin vers des établissements partenaires prestigieux dans le monde entier, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France. Elles concourent à la formation d'une élite d'ingénieurs aptes à prendre part à l'édification d'une Guinée rayonnante dans le concert des nations. La création des CPGE est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour plus d'informations, consultez le www.mesrs.gov.gn. Bienvenue à tous, en plus des avocats du colonel Moussa Kéboro Camara. Ceux du capitaine Moussa Dadis Camara aussi pensent que le capitaine Marcel Guilavogui est manipulé par le commandant Aboubakar Sidiki Gakité dit Toumba. Certains parlent même d'un deal qui existerait entre les deux. Pour mettre l'ancien Silla, un des avocats de l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un argument qui ne tient pas la route et émane des gens déjà en difficulté.
Le secrétaire général du Cenasur apprécie la main tendue du docteur Bernard Goumou qui a promis de trouver une solution à leurs problèmes dès le retour de la ministre de l'Enseignement supérieur. Cependant, l'ancien Ayansani prévient que cette main tendue ne va pas empêcher leur grève si une solution n'est pas trouvée. Pour lui, l'absence du docteur Diaka Sidibé ne doit pas empêcher l'ouverture des négociations autour de leurs points de revendication. Sur le continent, dans 6 mois, le coup d'envoi de la 34e Coupe d'Afrique des Nations sera donné en Côte d'Ivoire, vous le savez. Jusqu'ici, le comité d'organisation avait peu communiqué et encore moins répondu aux critiques et rumeurs qui disaient que le pays est en retard. Se marie donc au stade d'Ebempe où se tiendront notamment les matchs d'ouverture et la finale. Le président du COCAN, François Amichia, s'est montré très confiant quant à la bonne tenue de l'événement aux côtés de Samson Adamou, directeur des compétitions. En interactualité au Canada, la crise des opioïdes n'en finit plus de semer la mort au coin des rues. En Colombie-Britannique, par exemple, en avril, près de 7 personnes par jour sont mortes d'une surdose. Le fentanyl est impliqué dans 8 sur 10. Autrefois, surtout quand on est à l'ouest du pays, la crise touche désormais le Québec. Au moins 40 personnes sont mortes l'an dernier d'une surdose et Montréal n'est pas épargné. C'était là l'essentiel de l'actualité. À tous, merci de l'avoir suivi. Le supplément se poursuit. FIM FM Guinée, 95.3. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formations avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres. Wello wello aduna tingi tingi kino yiri salam lemone salam pom. No kasahara ko salam mango. Angkadi salam punye nong. Hey, fi hono hina salam gilado. Eme, joni nong ko hono buranyo. Pointu de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Et faire de vous les premiers et les mieux informés en Guinée dans la sous-région. C'est notre vocation et c'est un serment qu'on a fait pour vous ici à FIM Guinée, la radio du peuple. Merci encore une fois de nous rejoindre. Et dans la dernière partie de cette émission, le supplément, à venir notre invité, oui plutôt nos invités, Monsieur Raphaël Diem Keïta, directeur et marketing et communication de One Xbit Guinée et bien entendu Elisabeth Tine, chargée de
la communication de One X Mix Afrique de l'Ouest. Eh bien, les deux prendront la parole sur les coups de 10h35 et dans la rubrique le Hard Talk. Hard Talk, bien entendu, avec eux, il sera essentiellement question de ce compatriote, oui, ce Guinéen, si vous ne le savez pas, eh bien, qui a raflé une cagnotte, tenez-vous bien, de plus de 4 milliards de francs guinéens. Mais dans quelles conditions? Est-ce que vraiment il va rentrer en possession de son dû, de son argent? Des questions, mesdames et messieurs, auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités. Et puis on parlera aussi de cette affaire de faux diplôme, oui, qui gangrène l'administration guinéenne avec en toile de fond cet ancien recteur de l'université donc de Kindia, monsieur, voilà, son nom a disparu. Eh bien, il s'agit de Jacques Courma qui a été condamné, il faut le rappeler, à 12 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis de sursis. Et cet ancien recteur est poursuivi par un ancien étudiant, il faut le rappeler, de la dite institution pour usurpation de titres et faux et usage de faux sur le titre, tenez-vous bien, aussi de doctorat. On en parle dans un instant. En attendant, on va se faire le devoir de relayer vos réactions. Ce message est de Didier Raoul Abdoulaye Mohamed Doucouré qui vient d'arriver et il nous dit ceci. Bonjour au chroniqueur de Film Guinée, au plus légitime président de la OUM. La question Kassori est un cas d'école. Eu égard. Oui, ça c'est Didier Raoul qui parle, à tout ce que nous sommes en train de vivre. La CRIEF, en plus d'être inopérante, se ridiculise à travers cette procédure juridiquement légale, mais socialement malveillante, qui détériore l'image du pays et de la justice, et qui pourtant devait être donc la boussole. L'équipe de Ali Touré est en manque de ressources humaines, est capable de prouver la culpabilité des accusés, et ce qui décline la suite tragique de ce procès, car il leur faudra un résultat pour plaire au soleil ou par peur de se faire bronzer par le même soleil. Et dommage que l'on vive tout ça à notre ère. Meilleure santé à Doncas, et soyez en sûr, l'autorité sera bientôt en mouvement. C'est donc Hamza Doucouré, le Didier Raoul, ministre d'État loyal et fidèle, le président légitime de la Ouma, Ibrahim Khalil Diallo, qui nous envoie ce message. Et Bolokada Tourama aussi réagit ce matin. Il nous dit et bonjour au meilleur de sa génération, Ibrahim Khalil Diallo, et Kefimba doit prendre toutes les dispositions nécessaires. Et oui, pour permettre à notre champion, le futur président de la République de Guinée, et d'avoir une évacuation et sanitaire. Je connais parfaitement l'homme Doncas. C'est un homme digne et responsable. Wallahi Billahi, il ne va jamais fuir à la justice de son pays. Kefimba doit éviter les sales boulots et pendant cette période de transition, nous sommes très très mal barrés et par les poutites illégitimes et illégaux. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingiraï, est communicant du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Mamadou Alpha Mara aussi nous écrit. Il nous dit bonjour Ibrahim Khalil Diallo, le président de la OUMA et fondateur de la 3e école. Et bonjour à toute l'équipe, vos millions d'auditeurs notamment et téléspectateurs. Un bonjour particulier à mes parents de Maranda, relevant de la sous-préfecture de Bodje. Sans oublier M. Alioubba, président du modèle et futur président de la Guinée. Monsieur Khalil, il faut que la loi soit respectée. Et dans notre pays, nous ne sommes pas contre la procédure judiciaire et donc contre les anciens dignitaires de ce pays, mais il faut que l'ordre soit respecté dans les procédures. C'est inacceptable et inhumain et d'interroger quelqu'un sur un lit de malade et sous perfusion. Il faut que le président de la transition fasse attention afin de nous éviter et donc les erreurs du passé. Et deux messages très très rapidement avant de poursuivre cette émission, celui de Abou Poutine Banco aussi qui vient tout juste d'atterrir. Il nous dit bonjour au président de la OUMA et à toute l'équipe. Khalil, la Russie est la plus rare puissance qui investit en Afrique pour des partenariats gagnant-gagnant. La plupart de nos cadres ont été formés en Russie et ils donnent beaucoup de bourses plus que la France. Pourtant, nous sommes un pays francophone. Affaire de droits de l'homme est un faux problème. Eh bien, c'est Abou Poutine Banco qui nous envoie ce message. Et Ben Youssouf Keïta, le président du parti ACP aussi, prend la parole pour commenter l'actualité et nous dit ceci. Et bonjour Khalil, le rythme cardiaque peut subitement s'accélérer et suite à un effort physique important ou un stress. C'est la tachycardie émotionnelle. Elle peut aller jusqu'à 120 battements par minute. Et dans le cas Kassori, cela dénote la fragilité psychologique de l'intéressé et la décharge d'adrénaline
endocrine qui peut advenir sous le stress, la CRIEF doit en tenir compte et éviter l'interrogatoire dans son lit de malade. Le pire pourrait advenir, prend rétablissement à tous les malades alités. Merci, c'est donc Dr Ben Youssouf Keïta, président du parti Alliance pour le changement et le progrès, qui nous envoie ce message. Très rapidement, deux réactions avant de partir avec l'autre sujet du jour, celui de Thierry le Madrilène Baldé, qui vient aussi d'arriver. Bonjour Khalil, bonjour à tous, bonjour à mes parents de Bataba, dans Ngari Labé. L'immeuble effondré, c'est vraiment triste et déplorable. Jusqu'à présent, il y a des corps sous les décombres. Je ne sais pas qu'est-ce que l'État attend jusqu'à présent pour les sortir de là. Aux autorités d'engager des poursuites donc contre l'entreprise qui avait le contrat. Il faut vraiment donc se questionner. C'est le premier et le mieux informé de Lambani, Tierno Abdoul Baldé, médecin personnel du président de la Ouma, qui nous envoie ce message. Une dernière réaction, très rapidement, celle de Poulo Toro Linsan, qui nous dit: bonjour Khalil, le président de la Ouma, également fondateur de la 3e école, et bonjour au juge Taran du côté de Mafanko. Les constructions défectueuses de certains immeubles à Conakry sont devenus une menace pour la sécurité des habitants. Les matériaux de qualité inférieure utilisés et le non-respect des normes de construction entraînent des risques élevés d'effondrement et mettent en danger la vie de nombreuses personnes. Nous exhortons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour remédier à cette situation et à mettre en place des contrôles rigoureux afin de garantir des constructions sûres et durables. Paix à l'âme donc des victimes, c'est Poulo Toro Linsan qui nous envoie ce message. On s'arrête là-dessus. Eh bien, le supplément se poursuit sur Film Guinée. Loin d'avoir abattu toutes leurs cartes dans le jeu de l'invasion médiatique en cours, les Warriors de Film FM, toujours prêts à monter au filet après avoir brisé le plafond de verre sans équivoque. Film FM, un incubateur de la démocratie par excellence. GFM, Yes Weekend. Film FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. Film FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. Film FM, une grande guerre était annoncée. Une grande guerre pour éteindre tout sur leur passage. Finalement, tout ça a fait pchit. Ils ont fait chou blanc, appelé à mieux se pourvoir. Film FM. Film FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur Film FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Ibrahima Khalil Diallo. Maintenant avec vous, Ibrahima Sori Lenkonsouma, on évoque cette affaire de faux diplôme qui gangrène l'administration guinéenne. Oui, on l'a appris hier que l'ancien recteur de l'université de Kindia, docteur Jacques Ourma, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois assortis de sursis. Oui, je crois que c'est encore l'exemple concret que dans notre administration, il y a des faux diplômes qui sont en train de pulluler. Tout cela grâce à une partie civile qui a été quand même persévérante dans ce dossier. Nous savons que ce jeune a fait de ça le combat de sa vie pour que ce monsieur soit condamné. Et la justice du côté de Kindia, c'est vrai que ça a pris du temps, mais finalement, ce jeune a eu raison et ce recteur avait signé des diplômes de beaucoup d'étudiants qui ont été à un moment donné recalés lorsqu'ils sont allés faire leurs études à l'extérieur. Et aujourd'hui, vivement que de telles démarches puissent être amplifiées pour pouvoir démasquer tout cela qui, en tout cas, passe par le faux pour obtenir peut-être des postes dans ce pays, notamment la nouvelle administration, pourquoi pas. Bien, Khalil Camara, votre guide de lecture. Ce dernier temps, on en parle beaucoup. Hein. La dernière fois, on a vu le vérificateur général, par exemple, qui a parlé de faux diplômes, mais après, il est sorti de ses gonds pour dire non, ça ne concerne pas la nouvelle administration CNRD. Voilà, justement, je voudrais parler de ça. Ça ne concerne pas l'administration CNRD, peut-être, mais je pense que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a déjà une manie d'injonction aux poursuites judiciaires, pourrait se saisir, bien sûr, de ces dossiers. Pourquoi pas saisir l'inspection générale, inspection générale condamné, d'État. Je vous rappelle, inspection générale, qui est condamné? Non, vous n'avez pas compris, je ne parle plus du recteur. Ce cas est vous parlez déjà des anciens fini. Cadres. Oui, je parle des faux diplômes dont l'inspection générale d'État fait cas.
on peut bien sûr engager des poursuites judiciaires contre ces personnes-là parce que c'est pénal. Mais jusque-là, on n'a pas entendu de poursuites. Oui, mais il a fait allusion aux anciens dignitaires. Hein. Même si ce sont ces anciens dignitaires, pourquoi pas? Bien. On peut bien sûr les poursuivre. Mais... Et ça existe encore dans notre administration. Oui, il y a des gens qui se font appeler docteur. Docteur, oui, on les connaît. Hein. Docteur, partout on les appelle docteur. Et Mamadou Yaya Baldé, mais je me demande qu'est-ce qui peut pousser un homme, quelqu'un, un intellectuel à faire ce qu'on appelle faux et usage de faux. C'est parfois incompréhensible, mais c'est une malhonnêteté intellectuelle, il faut l'appeler comme ça. Mais je pense que les gens sont vraiment audacieux dans notre pays. Il faut arrêter cela. Ici, dans ce pays, malheureusement, l'humilité, la politesse et la courtoisie sont des faiblesses. Il faut passer par des raccourcis pour, en tout cas, gagner sa vie. Ce sont des choses qu'il faut arrêter. Quelqu'un qui est capable de mentir sur son diplôme, si vous l'élisez au sommet de l'État, bien, il est capable de faire du parjure. Si quelqu'un ment sur ces documents, c'est quelqu'un qui est capable de falsifier une signature et de faire des détournements. Donc c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il faut combattre ça. Ça n'a pas de place dans une société qui veut aller de l'avant. Alors, Yara Guirassy, quand même, voilà, ce recteur a été condamné par la justice. Et c'est un message qui a envoyé, un signal fort qui a envoyé à l'endroit de ceux qui s'évertuent le plus souvent à mentir sur leur diplôme, sur leur document administratif. Puisqu'on le sait aujourd'hui, oui, ces quatre sont connus, on les voit en longueur de journée, qui s'attribuent le titre de docteur. Ils sont connus dans l'administration. Oui, bien sûr, mais ce qui a félicité dans cette affaire, c'est le courage justement du jeune étudiant qui a bien voulu assigner en justice son recteur. Et je pense qu'il a passé 5 années là-dessus, bien. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Et aujourd'hui, il s'en félicite, il dit ne pas réclamer de l'argent parce que pour lui, l'argent ne compte pas dans cette affaire. Mais tout ce qui compte, c'est justement l'acte qui a été posé et il invite d'autres personnes à emboîter ses pas. Et je pense que c'est assez responsable de la part d'un jeune étudiant de justement penser à mettre fin à cette pratique qui a longtemps existé dans notre pays. Merci beaucoup. C'est quand même déplorable, comme l'a dit Yaya. Merci. Celui qui a falsifié son diplôme est capable de tout. Merci beaucoup, Yara Guirassy. Alors, un étudiant qui trimballe en justice, un recteur d'université, est-ce que, quelque part, ça vous parle d'une faligilavogie que, en tant que citoyen, on peut faire quelque chose hein, pour lutter contre tous les travers, toutes ces choses-là qui empêchent notre administration de fonctionner normalement, en une minute? Oui, c'est pourquoi nous devons avoir le courage. C'est-à-dire, quelquefois, nous disons qu'il n'y a pas de justice, mais moi, je pense que nous devons faire confiance aux institutions que nous avons. Nous devons leur accorder le bénéfice du doute. Ce jeune, il a eu quand même le courage, il a pris son courage à deux mains pour aller devant une juridiction. Pour lui, il n'allait jamais remporter cette bataille. Mais puisque c'est une institution aussi qui s'est inscrite dans le sens de rétablir le jeune dans son droit, je pense qu'aujourd'hui, cette affaire de faux diplôme est devenue dans notre pays. On en parlera, Inch'Allah. Voilà, un serpent de mer. On en parlera. Au-delà de l'État, tout le monde doit s'impliquer. Je pense que lui, il a donné le temps. Merci. Mais pour toute personne vraiment qui soupçonne bien les cadres qui se livrent à ce genre de jeu, il doit vraiment les dénoncer à tous les niveaux pour que ça cesse parce que je crois que c'est une honte pour notre société. Allez, merci beaucoup Mfali Guilavogui. On va revenir sur cette affaire, sur cette histoire. Inch'Allah, si tout va bien, dans les prochains numéros du supplément, avec cette grosse interrogation, affaire de faux diplôme en Guinée, comment y mettre fin? On va susciter le débat autour de la question. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec la rubrique le Art Talks qui reçoit des invités exceptionnels au compte de cet autre numéro du supplément sur FIM Guinée, la radio du peuple. FIM FM, le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via notre page Facebook et notre chaîne YouTube partout à travers le monde, vous êtes des milliers, oui, vous êtes des milliers à nous regarder chaque matin, à nous faire confiance. Merci de nous rejoindre. Nos invités elles sont Elisabeth Tin, elle est la chargée de communication de One X Beats Afrique de l'Ouest. Elle est accompagnée dans ce studio de Monsieur Raphaël DM Keita. Lui, il est le directeur marketing et communication de cette société de loterie au
niveau local. Si vous ne le savez pas, je reviens là-dessus. Oui, et pour la première fois en Afrique de l'Ouest, eh bien, un gagnant rafle et sur une combinaison de 17 équipes, une cagnotte, tenez-vous bien, de 4 milliards 938 millions francs guinéens. Et coup de chance ou jeu de probabilité? On va poser la question dans un instant, mais l'agence locale de OneXBet Guinée, après vérification, veut honorer ce digne fils de la Guinée, parce que maintenant il a l'argent, hein, en lui offrant une cérémonie digne de nom, ce vendredi 14 juillet 2023, à l'hôtel Kaloum à partir de 15h. Mais comment ce compatriote a réussi à gagner cette cagnotte? Je me pose vraiment cette question. Mais va-t-il réellement rentrer en possession de ce montant? Eh bien, nos invités sont déjà confortablement installés dans ce studio. Et Elisabeth Tine, Madame Elisabeth Tine, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Oui, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Ça fait plaisir. Vous rendez les gens riches. J'espère qu'à la fin de cette émission, nous aussi, qu'on sera riches. Et comme ce compatriote guinéen là, Inch'Allah. Probablement, si vous savez faire les jeux de probabilité. Bien, allez. Monsieur Raphaël Dim Keita, le directeur marketing et communication de OneXBet au niveau local, avec nous également dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. Et bienvenue. D'abord, parlez-nous de ce compatriote-là qui a gagné cette cagnotte de 4 milliards 938 millions de francs guinéens. D'abord, à l'entame, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous confirmez cette information, Madame Elisabeth Tine? Bien sûr, nous confirmons cette information d'un gagnant guinéen qui a gagné le montant de 4 milliards 938 millions de francs guinéens. Incroyable. Avec OneXBet. Alors, et comment a-t-il fait, Monsieur Raphaël Dim Keita? Ok, comme je le disais à l'instant, bonjour à tous vos auditeurs et bonjour au groupe de médias. Et c'est vrai que ce Guinéen est un bon parieur. Et il le fait souvent. Et il s'appelle Bakary. Donc il faisait des mises souvent, il faisait des combinaisons d'équipes. Donc cette fois, il a fait une combinaison de 17 équipes. Et sur les 17 équipes, il a parié que ces 17 équipes, dans différents championnats, qu'il y aura deux buts de plus dans chaque match. Et après, il a généré une cote de 9 000 et quelques. Et il a misé 500 000 là-dessus. Donc, quand vous faites la probabilité, directement, vous aurez un montant de 4 milliards à 938 millions. Bien. Voilà. D'accord. Avant de rentrer dans les détails, c'est important d'abord de savoir, et c'est quoi OneXBet Guinée et OneXBet tout court? De quoi s'agit-il, Madame Tine Elisabeth? Donc, tout d'abord, je tenais à vous prendre la prononciation, hein. Voilà. c'est pas OneXBet. Non, c'est OneXBet. Bien, d'accord. Bet en anglais comme le betting. Voilà, donc OneXBet, c'est un bookmaker, une application Android qui peut se faire via Play Store, Apple Store, qui permet aujourd'hui de faire des mises. Nous offrons plus de 1000 événements par jour. Nous avons plus d'un million de parieurs à travers le monde. Donc, c'est un site de paris aujourd'hui qui est mondialement connu. Les disciplines de sport sont tout confondues. Donc, allant du basket, du football, du Scrabble, entre autres. Nous avons aussi des jeux de casino à l'intérieur de OneXBet. Nous proposons des séries d'événements tous les jours, comme je viens de le dire, plus de 1000 événements par jour. Et dans chaque pays, aujourd'hui, nous travaillons avec des centres monétaires, des centres qui peuvent, comme Orange Money, etc., qui sont dans les pays, qui peuvent aujourd'hui permettre aux parieurs de mettre de l'argent via électronique et puis de reprendre l'argent du gain via électronique aussi, dans le même support. Non, Dia Baldé. Alors, quelqu'un comme moi qui ne connaît pas comment fonctionne OneXBet, qui ne connaît pas l'application et qui n'a jamais joué, quel message avez-vous, en tout cas, à adresser à ce type d'auditeurs qui nous suivent? Nous avons un procédé d'inscription assez simple. Donc, vous avez un smartphone. Allez sur la page Google. Faites www.onexbet.com.gn. Donc, après cela, vous téléchargez l'application et vous allez remplir tous les profils qui ont été demandés. Mais ce jeu est interdit aux moins de 18 ans. Et pourquoi? Parce qu'à 18 ans, on n'a pas l'âge de la majorité. Bien, d'accord. On va être un peu focus aussi sur ce jeune homme-là et ce compatriote très très chanceux. Comment gagne-t-on en jouant avec votre société de loterie, monsieur Keita? Okay. Comment il a fait pour gagner? C'est vrai, vous l'avez expliqué de façon un peu technique, mais c'est important de pousser les explications. Comment il a fait pour gagner? Comment gagne-t-on avec vous? C'est ce que je vous expliquais au départ. Ce monsieur a fait une combinaison de 17 équipes.
17 équipes. Et le football. Le football, oui. Mmh. Et dans 3 championnats. Mmh. Ensuite, il a dit que chaque match, il y aura plus de 2 buts. Mmh. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque match, sur les 17 matchs, il a misé un montant de 500 000. Mmh. Et cette combinaison a généré une cote de 9 396,57. Maintenant, si vous faites... Parce que quand vous misez sur une telle cote avec un montant de 500 000, si les combinaisons rentrent dans la mode de sélection, vous faites le montant multiplié par la cote générée par cette combinaison, par ce coupon de pari. Donc, c'est ce qui a donné le montant de 4 milliards 938 millions. Bien, Mfaligui Labogui. Voilà, par rapport, on va rester avec ce jeune parieur qui a gagné. Alors, vous l'avez tout à l'heure dit, est-ce que c'est un habitué, est-ce que c'est un parieur qui a plusieurs fois joué et cette fois-ci qui a gagné? Et dites-nous, est-ce que chez vous, il faut jouer une seule fois pour gagner ou comme ce jeune, il faut recomposer beaucoup d'équipes pour pouvoir gagner? Bon, je vous dis que sur la plateforme OneXBet, chacun a sa chance. Parce que ce monsieur, c'est un bon parieur. Parce que quand il a gagné, il nous a appelé. Il est rentré en contact avec l'équipe, le call center, qui nous a remonté les informations. Et nous, on a checké les informations du parieur, qui était un bon parieur, un fidèle parieur. Donc à chaque fois, il misait, mais des fois, rare des fois qu'il gagnait. Mais cette fois-ci, il a fait une bonne combinaison. Et la chance l'assure. Donc si je comprends bien, voilà. Est-ce que la règle, c'est qu'il faut jouer plusieurs fois justement avant, est-ce qu'il gagner. Il a gagné, non, c'est parce qu'il a l'habitude de jouer chacun, ou c'est par coup de chance, tout, Madame Tini? Moi, je dirais plutôt que c'est un expert de la probabilité. Mmh. C'est-à-dire aujourd'hui, jouer sur OneXBet, c'est pas sur coup de tête. Vous connaissez votre équipe, vous avez confiance à votre mise. Vous vous dites, j'ai 5000 francs guinéens. Si 5000 francs guinéens, le cote c'est à 2000, vous multipliez les 5000 multiplié par 2000. Ça vous fait un total de combien? Beaucoup d'argent. Si ça gagne, vous avez gagné. Bien, Amadou Djoul de Diallo. Oui, moi j'ai assisté à un débat entre parieurs qui s'inquiétaient par exemple, qui se demandaient, mais est-ce que quand tu rafles un montant beaucoup plus élevé, est-ce que tu vas rentrer en possession avec ton argent? Aujourd'hui, quelle garantie d'abord pour ce jeune qui a raflé, mais aussi pour tous les parieurs de OneXBet? Ok, c'est vrai qu'au départ nous recevions ce type de questions. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous de montrer au peuple de Guinée ou aux parieurs guinéens que de tels montants sont récupérables. Et quand vous les gagnez, vous êtes sûr et nous vous donnons la garantie que vous rentrerez en possession de ces montants. Ce monsieur, comme je vous le dis, souvent il appelait au stand pour dire, est-ce que si je gagnais 1 milliard, je pourrais rentrer en possession de mon gain? On lui disait oui, c'est possible, essayez de gagner seulement. Et nous, aujourd'hui, nous avons mis des bouchées doubles. Et nous avons checké au niveau de la filiale et pour que réellement ce monsieur soit en possession de son argent. Justement. Et c'est pourquoi ce vendredi, nous officialisons la remise de ce super cagnotte. Alors, je le rappelle à nos auditeurs que nous avons pour inviter vous-même, vous l'avez sans doute remarqué, Madame Elisabeth Tine, elle est la chargée de communication de OneXBet Afrique de l'Ouest. Elle est accompagnée dans ce studio de Monsieur Raphaël Dim Keita, directeur marketing et communication de la même société de loterie au niveau local. Oui, vous avez quand même, vous comptez, après vérification disons, du gain que ce compatriote a obtenu, vous comptez l'honorer en lui offrant une cérémonie digne de nom ce vendredi dans un réceptif hôtelier de Conakry. D'abord, pourquoi vous avez pris cette initiative-là? Déjà, vous n'êtes pas limité seulement à lui remettre son chèque et dire bon, merci beaucoup. Non. Ce serait aussi se voiler la face, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des parieurs qui doutent qu'un tel montant puisse être restitué. Donc, il faut comprendre que BetOnline, qui est une entreprise guinéenne, de droit guinéen, la Guinée aujourd'hui est un pays de droit, c'est un état de droit. Et comme entreprise aussi, nous avons le devoir aujourd'hui d'honorer nos engagements. Nos parieurs qui gagnent à un montant extraordinaire, nous devons de les accompagner et de leur fournir tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'ils puissent être en bonne et due forme avec leurs gains. Donc, vous parieurs qui êtes en train de douter, c'est une réalité. Miser, gagner,
on vous remettra vos gains. Mmh. Donc, pourquoi l'idée de lui redonner aujourd'hui ce montant avec une cérémonie prestigieuse? Déjà, c'est une première en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, aucun gagnant n'a réussi à gagner un tel montant. Bien. Khalil Camara. Déjà, je voudrais parler de la solvabilité, ce qui est déjà rassuré. Maintenant, est-ce qu'on pourrait connaître le gagnant? Ou bien, pour le moment, vous voulez garder ça pour la... pour les festivités. Nous, pour cet état de fait, nous vous invitons vendredi pour montrer le gagnant, et puisqu'il sera en possession de ses gains. Alors, justement, quelle est votre contribution au développement? Puisque c'est ça aussi, hein, une société de loterie a une certaine responsabilité sociétale envers le pays dans lequel elle évolue, et au-delà du fait de permettre aux gens de gagner, d'avoir beaucoup d'argent en jouant chez vous. Est-ce que vous avez d'autres initiatives, par exemple, qui concourent au développement du pays? Oui, évidemment. Ce qui est temps. Oui, évidemment, nous avons des initiatives. Déjà, nous travaillons avec des partenaires, que ce soit des partenaires médias ou privés. Et c'est vrai que nous sommes là depuis près de trois ans maintenant. Les années précédentes, nous avons travaillé avec la jeunesse pour l'organisation des festivités du 2 octobre. Ensuite, nous avons fait des dons au niveau des orphelinats. Également, à l'abbé aujourd'hui, OneXBet n'est plus à présenter parce que chaque année, nous organisons, nous sponsorisons le grand tournoi qui regroupe tous les quartiers de l'abbé. À Mamou, cette année, ce sera au mois de septembre. Cancan également. Zéro Corée également. Donc, nous travaillons avec des partenaires et également nous sponsorisons des activités de jeunesse. Amadou Djoulé Diallo. Oui, est-ce que, une question un peu banale, vous avez parlé de l'initiative, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la physionomie? Puisque pour moi, Il faut quand même leur accorder ce droit de ne pas dévoiler l'identité du compatriote ici. Non, je ne parle pas du compatriote, je parle de la physionomie de la salle. Là où l'événement aura lieu, par exemple, quels sont les invités, est-ce que c'est quel type qu'est-ce qui est prévu en fait au menu? Deuxièmement, j'entends parler de OneXBet niveau local. Est-ce que c'est une société que présente partout à travers le monde? Mais oui, aujourd'hui OneXBet n'est pas présenté, c'est une filiale internationale. Nous sponsorisons les plus grands événements du monde. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, la CAN, donc ce n'est pas une société à face voilée aujourd'hui. Du coup, par rapport à la salle, nous avons pris la grande salle de l'hôtel Kaloum et nous avons invité les autorités parce que déjà, une société de Paris est régie par des lois et principes et dont le régulateur est en charge. Donc, les autorités seront invitées et les médias également seront invités. Tous les partenaires presque seront invités pour participer à cet événement. Bien, Mamadou Ayabaldé. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui le taux de pénétration de OneXBet au niveau national. Et quels sont les atouts que vous avez sur vos concurrents? Je pense qu'il doit y avoir des concurrents. Alors, qu'est-ce qui, en tout cas, doit motiver vos parieurs à vous choisir? D'abord, le taux de pénétration. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, OneXBet, c'est une filiale, il est international. Du coup, en Guinée, nous n'avons plus à nous présenter parce que êtes présent, par exemple, vous avez vos tentacules sur l'ensemble du territoire Exactement, national. Exactement, c'est un projet. Vous êtes présent dans d'autres régions du pays. J'en venais. Oui. L'année dernière, je pense que tous les médias partenaires de la société ont assisté à l'inauguration du Bet Shop du centre du centre technologique que nous avons ouvert à Kindia et également à Mamou. Je vois dans les archives de films, vous trouverez. Et également, c'est prévu dans les 33 préfectures de la Guinée. Donc, question de pénétration, nous sommes en avance. Maintenant, les opportunités que vous offrez, Madame Elisabeth Tine, qui font que vous êtes en avance par rapport à vos concurrents, aujourd'hui, si c'est le cas? Aujourd'hui, on est sur le online. Je pense que c'est l'une des premiers avantages concurrentiels que nous avons. Nous sommes sur la confidentialité à 100% sur le parieur. Nous avons un service de qualité qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les besoins du parieur, de ses requêtes. Nous avons plus de 1000 événements par jour. Et nous avons des facilités de paiement aujourd'hui qui ne sont pas à négliger. C'est-à-dire, vous avez votre gain, c'est plus de 100 millions, vous l'avez sur votre Android, vous avez une application qui vous permet de restituer ces fonds-là, c'est facile. C'est très facile, oui. Khalil Camara. Oui, est-ce que avant
c'est gagnant. Il y a eu d'autres gagnants. Est-ce qu'on pourrait connaître, pourquoi pas, le nombre? Ben oui, il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants. Je crois la première année de notre installation, nous avons eu un gagnant. C'était un ancien parieur depuis le Sénégal, mais après il est rentré en Guinée. Il a gagné 700 millions, mais il n'a pas voulu qu'il soit présenté aux médias. Donc il a géré son argent. Voilà, il a géré son gain, il a récupéré sans souci. Parce qu'il, comment on l'a su, il nous a appelé pour dire qu'il avait des difficultés à retirer. Mais bon, après nous on lui a facilité avec Orange, puisque déjà le montant qu'il doit être retiré par mois était atteint. Donc nous on lui a facilité les choses pour qu'il soit en possession de son argent. Justement, quand on gagne par exemple des milliards, est-ce que ça veut dire en remettant ce montant là à la personne, Madame Tine et Elisabeth, je vous pose la question, est-ce que par exemple vous allez dire à la personne, bah, écoutez, on a des taxes, on a des petites choses à prélever, on doit faire de prélèvements sur ce montant là, ou bien c'est le montant en entier que vous c'est donnez le montant à la dans personne. Sa globalité qui est restitué au parieur. C'est-à-dire que le monsieur là, par exemple, il aura plus de 4 938 millions de francs guinéens. De francs guinéens. Bien. Je veux préciser d'accord. une chose. Oui. Vu que nous sommes régis est-ce par. Est-ce qu'il y a des matchs ce week-end? Oui. Bon, allez-y. puisque nous sommes régis par les lois et principes, déjà avec les autorités. Et quand le monsieur est venu, nous l'avons mis en contact avec les autorités de la place pour réellement travailler sur ce dossier, sur l'entrée en possession de ses gains. Donc, bien. Il sera en possession de ses gains. Fali Guilavogui. Oui, vous évoluez dans un domaine en pleine mutation, caractérisé notamment par la concurrence. Dites-nous, en Guinée, comment vous faites pour tirer votre épingle du jeu? Est-ce que vous faites face à certaines contraintes? Bien sûr, comme toute entreprise, ils ont des contraintes, ils ont des défis à relever. Mais l'avantage que nous avons une jeunesse qui, à majorité, ont tous des smartphones, qui sont toujours connectés, qui sont passionnés de sport. Nous leur offrons ce qu'il y a de meilleur quand ils veulent se faire plaisir. Bien. Allez, Amadou Djoulé Diallo. Et vous avez parlé tout à l'heure d'un gagnant qui n'a pas voulu se faire identifier dans les médias. Et cette fois-ci, si j'ai bien compris la chose, est que sur tout gagnant, la remise va être faite de manière officielle à travers une cérémonie. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte? Est-ce qu'il a reçu pour sa sécurité. Toutes les garanties pour sa sécurité, bien entendu? Exactement. 4 milliards, c'est pas... Oui, imaginez, depuis le mois de mai, le monsieur, il est gagnant, son ticket est gagnant. Donc, nous avons travaillé avec ce monsieur, nous avons rassuré, nous avons... Attendez, depuis le mois de mai 2023. Le mois de mai. Et nous avons travaillé avec lui, nous avons passé par toutes les procédures pour se sentir en sécurité. Puisque déjà, c'est un fait qui mérite d'être officialisé. Donc, et également, ça y va dans l'intérêt de notre visibilité également. Du coup, on a travaillé avec ce monsieur pour que réellement il soit en position et qu'il n'y ait aucune crainte par rapport à cela. Bien, Mamadou Yaya Baldé. Alors, nous vivons aussi dans des pays où il y a de fortes croyances, notamment religieuses. Généralement, on entend aussi que l'argent issu de ces jeux de hasard, c'est de l'argent illicite. Alors, est-ce que vous faites, et je vous pose la question à vous, responsable marketing, est-ce que vous avez des actions marketing ciblées envers, par exemple, des imams et d'autres personnes Est-ce que vous leur donnez un peu d'argent aussi? Au fait, c'est une question très très embarrassante parce que déjà, tout ce que nous menons, il y a des secteurs avec lesquels nous travaillons et des secteurs également qui sont à la marche. Parce que, par exemple, quand il y a des projets qui viennent à nous et qui nous intéressent, mais vu que déjà ces projets, ces types de personnes qui viennent avec ces projets sont purement à l'écart de notre ligne de mire. Par exemple, il y a des académies qui viennent, qui ont des enfants de moins de 18 ans. Donc, du coup, nous ne pouvons pas financer ou sponsoriser ce type d'activité. Donc, du coup, nous mettons à l'écart tout ce qui est... Bien. Donc, il faut aussi comprendre par ce même biais-là, Wanixibet est une société de droit guinéen, je tenais à le rappeler, qui est sous l'autorité d'un régulateur. Donc, nous respectons ce que le régulateur nous dit comme engagement.
Bien. Voilà encore une fois, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nos invités, ce mercredi, Elisabeth Tin, chargée de communication de OneXBet Afrique de l'Ouest, et Raphaël Diem Keita, directeur marketing et communication de la même société au niveau local. Nous parlons essentiellement de ce compatriote pour vous qui venez juste de nous prendre en marche, qui a gagné, oui, sur une combinaison de 17 équipes, une cagnotte, tenez-vous bien, de 4 milliards 938 millions de francs guinéens. Un coup de chance au jeu de probabilité, eh bien, suivez le débat, on en parle avec les responsables de cette société, Khalil Camara. Oui, dans le même sens que mon confrère Duldé, est-ce qu'au-delà de montrer le gagnant aux médias, est-ce qu'il y a d'autres assurances que vous donnez au peuple guinéen, pourquoi pas au monde entier, et pour surtout faire croire à ceux qui pensent que ça peut être un camouflage? Ça, c'est une première question. Et l'autre question que je voudrais poser, est-ce qu'on pourrait connaître les sièges de OneXBet pour éventuellement des revendications des parieurs? Ou pour aller parier? Okay. Moi, je suis intéressé. Hein. Okay. Je commence par la deuxième question. Oui. Question de siège. De siège également. Mm-hmm. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui nous posent ces questions. Où se trouve le siège de OneXBet? Nous sommes à Lambaye, juste à côté de la station Shell, Carrefour d'Addis, je crois. Ouais. Juste à côté de ce Carrefour. Également, par rapport à ce que vous avez dit, ce n'est pas un camouflage. Mmh. Ce n'est pas un camouflage. Nous avons le coupon gagnant. Nous avons également le montant. Mmh. Si vous voulez, je vais vous partager après l'émission. Il y aura aussi un huissier. Il y aura également, évidemment, il y aura un huissier. Donc il n'y a pas de crainte. Quand vous gagnez, vous rentrez en possession de vos. Bien, Amadou Djoulde Diallo. Pour être plus complet sur l'adresse, et pour quelqu'un, par exemple, qui veut rentrer en contact avec vous pour des questions de partenariat ou pour des questions, parce que vous avez tout à l'heure que vous sponsorisez, OneXBet sponsorise des événements partout à travers le monde. Quelle est la démarche? Déjà, nous avons un numéro au stand, le 611-33-33-33. Quand vous appelez ce numéro pour toutes les réclamations ou pour toute proposition de partenariat, vous pouvez les appeler et directement ils vont remonter l'information. Bien, allez, on poursuit donc cette interview toujours avec nos invités. Qu'est-ce qui vous différencie des autres sociétés de loterie, puisque on en a beaucoup hein, sur le territoire national. Je pose la question à Madame Tin, Elisabeth. Je pense que cette question nous a été posée plus de trois fois. Non, on vous a plutôt posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes en avance par rapport à vos concurrents, si c'est le cas. Mais la question qui consiste, n'est-ce pas, à vous demander ce qui vous différencie des autres, je ne pense pas si elle a été posée de façon précise. Je pense que si, mais bon, ça... Bien, d'accord. C'est toujours bien d'en d'accord, parler. La répétition, c'est aussi de la pédagogie. Exactement. On est le meilleur bookmaker. Mm-hmm. On est les premiers sur le marché. Bien. Pourquoi d'accord. on est les premiers sur le marché? Mm-hmm. Permettez-moi. Mm-hmm. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec OneXBet. On ne se déplace pas. Mm-hmm. Vous êtes chez vous. Vous avez envie de jouer avec vos camarades, avec vos copains. Prenez votre Android, misez sur un match dont vous êtes probablement très sûr d'avoir du succès. On vous paye monétiquement, vous ne vous déplacez pas. Vous avez l'argent avec votre compte monétaire. Et nous vous offrons plus de 1000 événements par jour. Bien, d'accord. Si vous dites compte monétaire, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en juin, vous laissez un numéro, par exemple Orange Money ou quoi, je ne sais pas. En fait, ou c'est une carte Visa que vous laissez là. Pas de carte, des cartes Visa si vous voulez, bien sûr. Comment ça se passe? Mais je pense qu'en Guinée, vous avez des comptes monétaires. Exactement, je vais appuyer sur ce côté. Déjà, avec les... Vous savez, on nous écoute dans les marchés. Exactement. Il y a le boutiquier qui nous écoute quelque part dans le quartier, il veut savoir de quoi il s'agit concrètement. En France, c'est facile. Ok, en France, compte monétaire, oui. Compte monétaire, ça veut dire que vous pouviez déjà prendre l'argent sur votre compte avec des opérateurs des opérateurs mobiles, soit Orange Money ou MTN Mobile Money. Mm-hmm. Déjà, quand vous associez ces numéros à ce compte, à chaque fois qu'il y a une transaction, vous recevez des codes et vous faites valider. Bien. Exactement. Bien. Mamadou Ayaba. Sur la question du sponsoring, généralement en Guinée, nous voyons beaucoup de sociétés sponsorisées lorsqu'il s'agit des activités de concert ludique, mais lorsque c'est pour des activités pédagogiques,
Souvent, on voit ces sociétés de l'art complètement absentes. Est-ce que chez vous, vous aimez soutenir, par exemple, un auteur qui veut éditer son livre, mais qui n'a pas de fonds? Est-ce que des activités comme ça, une émission comme Une question pour un champion, nous, c'est ce qui nous intéresse aussi. Est-ce que ça vous intéresse? Je vous ai dit au départ que nous avons une ligne de mire. Il y a le régulateur qui est là, qui nous a édicté une ligne de mire. Donc, du coup, si les projets, le sponsoring de ces projets dépendra de la teneur et également le niveau, dossier qui a été monté. Exactement. Ouais. Si l'événement ou l'activité ne concerne pas le côté religieux ou les enfants au moins de 18 ans, pourquoi ne pas sponsoriser? Ah, bien. On parle de Guilaboghi. Oui, depuis que vous êtes là en Guinée, avez-vous été confronté à un problème de conflit, notamment avec un parieur? Et l'autre, dévoilez-nous quels sont vos grands projets en Guinée. Et c'est vrai, pour les années à venir. Depuis que nous sommes en Guinée, c'est vrai, c'est une société de loterie. Chaque fois qu'il y a des réclamations, cela nous a même poussé à mettre en place un call center qui reçoit tous les appels et qui traite toutes les réclamations. Donc, question réclamation ou problème avec les parieurs, ça existe tous les jours. Donc, et ce centre est là pour aider les parieurs, et le numéro est le 611 33 33 33. Maintenant, pour ce qui est du grand projet, les années à venir, je l'ai dit dans mon intervention, nous comptons mettre en place des centres de communication, des centres numériques. Ces centres numériques, il s'agit de quel centre, il s'agit de quoi? C'est des centres qui reçoivent des jeunes, un centre de loisirs qui va recevoir des jeunes et qui vont, il y aura la connexion, il y aura la présentation des différents projets. Donc dans ces centres là vous partez avec vos projets et nous on les étudie, on les emmagasine, on les étudie et maintenant on tire au sort ces projets. Donc ces centres permettront aux Guinéens d'être encore plus proches de nous, des différentes périodes, d'être encore plus proches de nous. Et pourquoi pas satisfaire à leur réclamation. Alors, peut-être une avant-dernière question, Madame Tin. C'est vrai que votre société a des représentations dans beaucoup de pays du continent, mais est-ce que c'est vraiment une société de droit africain? Bien sûr. Qui est fondée par des Africains? Bien sûr, c'est une société de droit africain. Si on prend l'exemple aujourd'hui de la Guinée, 100% du personnel de la Guinée sont des Guinéens. En fait, je parle des fondateurs de la société. C'est un multinational. Donc aujourd'hui, tout multinational, comme les autres sociétés qui sont ici, sont affiliés à leur maison mère. Elle est basée où, le siège principal? En Russie. Ah, c'est Poutine. Ah mais non, c'est pas Poutine, hein, c'est un Russe. En Russie, non. Vous dites pas Poutine. Non, vous dites que le siège. Je crois qu'on annoie ma question. J'ai envie de dire, vous dites que le siège principal de OneXBet se trouve en Russie, non? Oui. Maintenant, j'ajoute ce Poutine. C'est un certain Poutine. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Bien. Allez, je vous taquine. Oui. Peut-être dans la question, Madame Judy. Moi, j'étais récemment à Pita où je rencontrais un jeune qui a gagné un montant très élevé. Et à travers une société concurrente à vous, mais le jeune était obligé de venir à Conakry. Il avait toutes les difficultés pour venir à Conakry. Puisque vous avez des représentants à l'intérieur du pays, est-ce que c'est à votre niveau également, si quelqu'un arrive à rafler et qui se trouve dans un village profond, ou est-ce qu'il est obligé, si est-ce que vous l'aidez à se déplacer, ou bien est-ce qu'il peut rester sur place? Est-ce qu'il peut avoir son argent sur place? Est-ce qu'il faut qu'il se déplace? Ils ont des ambassadeurs à l'intérieur du pays. Voilà, on a des ambassadeurs, on a des plans d'ambassadeurs qui peuvent faciliter la réception de Vegas. Bien. Effectivement. D'accord, oui. Oui, quelle question chance pour des jeunes qui sont à l'intérieur du pays, dans des zones enclavées, parce que j'ai comme l'impression que pour accéder à ces jeux, il faut être avec un téléphone Android. Et pour ceux qui ne sont pas avec des téléphones Android, comment y participer? Comment accéder à ces zones-là? Oui, effectivement. Donc, je pense aujourd'hui. Mais je vous l'ai dit tout de suite. Déjà, nous avons un grand projet par rapport à cela, la mise en place de ces centres. Ces centres de communication, ces centres d'information sont là pour aider ces jeunes à comment se perfectionner sur la plateforme OneXBet. Parce que pour venir, excusez-moi du terme, l'intéressé n'a pas de niveau. Donc vous venez, nous on vous donne des instructions pour comment est-ce qu'il faut parier, où il faut cliquer,
Donc, il y aura ces centres qui seront dans les différentes régions. Bien. Alors, Madame Tine, Elisabeth, quelle est la différence entre ceux qui vont recevoir leur gain en catimini et ceux qui les recevront devant les médias? Est-ce qu'il y a quelque chose à payer sur le montant? Je rappelle que c'est une question d'un auditeur. Il s'agit de Poulot Rolinsa. Donc, moi, de ma responsabilité de communication, ça, je pense que c'est le service juridique qui s'en occupe. Mm-hmm. Donc, je ne saurais donner réponse à cela. Et vous aussi? Également. Pas de réponse. No comment. Allez, pour terminer, un dernier message à l'endroit du peuple de Guinée, surtout de sa jeunesse. Hein. Moi, vous d'abord. Hein. Étant sénégalaise de nationalité, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. C'est une jeunesse que j'ai beaucoup appréciée. C'est cette fibre-là du challenge qui nous a poussé aujourd'hui à venir chez One Exhibit. Et on voit cette fibre-là de challenger dans chaque Guinéen. Le jeu, ce n'est pas du hasard. On n'est pas là pour distraire les jeunes. On n'est pas là non plus pour nous faire de l'argent sur le dos des Guinéens. Comme j'ai dit tantôt, c'est une entreprise de droit guinéen qui est là, qui est toujours surveillée par une autorité de régulation. Donc aujourd'hui, nous invitons chaque parieur qui a des soucis à appeler le centre, le numéro du centre d'appel, M. Keïta vient le dédier tout à l'heure. Qui gagnera 10 millions, on le restituera 6 millions. Qui gagnera 10 milliards, aura toujours 6 milliards. Elisabeth Tine, chargée de communication de OneXBet Afrique de l'Ouest. Oui, votre mot de la fin, rapidement. Le mot de la fin, c'est que je peux rassurer tous les parieurs guinéens que déjà, c'est une fierté. Et remercier tous les parieurs guinéens, déjà par rapport aux événements. Déjà, à partir de demain, il y aura une caravane qui va sillonner toute la ville de Conakry, de Kaloum à Dubrika, voilà, pour montrer à la jeunesse guinéenne que réellement il y a un Guinéen qui a gagné les 4 milliards 308 millions. Est-ce que vous ne risquez pas de l'exposer? Non, pas avec lui. Pas avec lui, mais nous avons des ETS et nos brand ambassadeurs qui seront en charge de cette. Bien. Allez, et tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, Madame Tine Elisabeth. Merci à vous aussi, Monsieur Raphaël Diem Keïta. Merci à tous les 6 Khalil. Camara, Mamadou Abadé le Toubab, Amadou Djoul de Diallo, Mfali Guilavogui, le DGA du groupe Évasion, Ibrahim Sorelin Consuma, le vieux barbu, et à la reine du pays Djaka. Vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément. Il a été conduit aux opérations techniques par le colossal Métidiane Camara, la régie. Et c'est Ibrahim Sila qui nous a accompagnés. Merci à tous de l'avoir suivi. Et prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. On se retrouve, Inch'Allah, demain dès 8h sur la même fréquence et sur nos déclinaisons numériques pour d'autres sujets, Inch'Allah, de l'actualité nationale. D'ici là, restez sur Film Guinée, car le meilleur reste à venir et ensemble, restons concentrés.